No worries, team. Merci beaucoup, Wardy. Merci pour le Prime. Merci beaucoup pour le soutien, évidemment. No worries, la team. Oh là là, gardez votre calme. On est bon pour le fond vert, merveilleux. Ne vous inquiétez pas. Semaine 3, je bosse le matin. Bah, il y aura les rediffs. En plus, on est très réactifs sur les rediffs du côté de l'équipe, du côté de Gatomio qui gère le YouTube. Donc, no stress. Ne vous en faites pas. J'avais libéré ma matinée pour Red Dead. J'avais posé un congé payé juste pour ça, anyway. Vous pouvez pas me dire ça, Vous pouvez pas me dire que vous aviez posé des congés juste pour ça. Non, je peux pas entendre ça. Non, vous abusez. Non, vous êtes des abuseurs, vous pouvez pas me dire ça. Vous avez pas le droit de me dire que vous aviez posé des congés payés pour regarder Red Dead. Non, j'ai envie de moumou. Non. Poser un congé MDR, c'est un truc. Non, je veux pas y croire. J'avais mis mes enfants au chenil pour Red Dead. Non, vous pouvez pas me dire ça. Mais en vrai, vous allez voir, vous n'allez pas... En fait, en gros, là, vous regrettez. Là, vous êtes un peu dans l'amertume et vous me dites, non, mais Rive, là, t'abuses de ouf et tout. Et en fait, je vous le dirai, vous ne regretterez pas. En vrai, vous allez être en mode, mais putain, mais pourquoi est-ce que j'ai douté de Rive? Comment j'ai pu, genre, douter de lui, genre? Alors que c'était incroyable. J'ai quitté ma femme pour ça. J'ai fait un abandon de poste pour Red Dead. Non, mais vous allez trop loin. En fait, je pense que vous allez. En fait, en gros, je pense que vous donnez un peu trop de vos émotions à ce stream. C'est bien d'être engagé. Je suis d'accord qu'il faut être une communauté. On est soudés entre nous. Les cerveaux, on est comme ça. On est bam. On est comme ça. On est bam. On est connecté. Mais peut-être que quitter son travail, poser une journée de congé, c'est peut-être. Enfin, quitter son travail et laisser ses enfants en chenille, c'est peut-être un peu trop. Je suis en daily feed pour Red Dead. Ouais, mais peut-être que c'est trop. J'ai peut-être du mal à me rendre compte de ça, mais je sais pas, peut-être que vous allez trop loin, peut-être. Peut-être que vous allez trop loin. J'ai acheté des NFT pour Red Dead. Non mais non, mais vous abusez, vous êtes des abuseurs. Vous allez trop loin, vous mettez trop de pression, et en vrai... J'adore la pression, j'adore la boire, mais quand vous en mettez trop, et ben vous savez ce que ça fait gonfler le ventre, on n'est pas bien, on est ballonné. Vous allez trop loin, vous allez trop loin. J'ai des vraies dettes pour que tu y joues, non. Vous savez quoi, j'ai envie de pisser, allez. Vous avez tout gagné, j'ai juste envie d'aller pisser. Moi, vous savez quoi, je vais pisser pour Red Dead. Je vais uriner. Je vous le dis, je vais uriner.
Excusez-moi, il y a des gens qui viennent livrer des choses parce que Red Dead. Il y a des livreurs qui viennent, ils ont dit oui, on devait livrer aujourd'hui parce que c'était Red Dead Redemption. C'est relou, j'arrive. Ça y est, tout le monde est parti. C'est bon, je suis parti assez longtemps. Tout le monde s'en est allé. Les gens m'ont oublié sur Twitch. Désolé, en fait, en gros, je recevais un gros colis. Putain, il pesait lourd. Vous serez très bientôt ce dont il s'agissait. Tu es qui? Non. Ok, excusez-moi, je sens que je suis pas le bienvenu ici apparemment. Je suis complètement finito pipo dans le game. C'est dur. Difficulté moyenne, bien sûr. Là, sculpté. Le Rivezou. Hop là. J'ai bien la musique, tu peux repartir, pardon. Salut petit streamer, petite astuce, je te conseille de commencer Red Dead. Je vous emmerde. Voilà, je vous... Pardon, excusez-moi, c'est sorti tout seul, mais... Voilà, arrêtez de me mettre la pression, ok? De toute façon, vous savez que quand un artiste... Oui, parce que je suis un artiste, j'ai pas peur de le dire à un moment donné. Vous savez que si vous mettez la pression à un artiste, il se bride dans sa création et après, il n'y arrive pas. Donc en fait, si vous me bridez... Bah, déjà, ça va être, c'est impossible pour moi de créer, ça va être impossible pour moi de créer, en fait. Donc, si vous m'empêchez de créer, en fait, vous bridez ma capacité créatrice. Tu veux dire que tu ne vas pas appeler ton, le Rivenzo, donc en fait, arrêtez de créer, ok? C'est très raciste en plus, je suis bien d'accord. Je vais voir où je vais me mettre après. Hein.
Bonjour à tous, bonjour, serviette de toilette. Bonjour, c'est la première fois que tu parles en chat. Bonjour, bienvenue. Le stream se passe très bien, serviette de toilette. Bienvenue sur le stream. Serviette de toilette qui découvre le stream. Et voilà, en fait, imaginez des gens découvrent le stream tous les jours. Et en fait, bah, vous leur faites peur. Par votre votre façon d'être, vous faites peur. Je rigole, continue à vous péter un petit peu, j'adore ça. Hein ? Alors, messieurs, dames, bienvenue, bienvenue dans le parc de Rivenzy, bien sûr. Le Rivenzo Park, magnifique, magnifique lieu, bien sûr, de création. Nous sommes dans ce parc sublime. C'est exceptionnel, bravo. Vous le voyez ici, Planet Zoo, jeu de fou. L'idée est évidemment... Waouh, waouh. YoTibs, merci pour le 9e mois d'abonnement. Le Rivenzo. Le Rivenzo. On va voir ce qui a été créé, ce qu'ils ont ajouté depuis quelques temps, on va dire. Ce qu'ils ont ajouté aussi depuis quelques temps, là. D'ailleurs, je vais peut-être changer la place de la... de la mettre en haut. Parce que là, vous voyez pas les notes, etc., etc. On va faire ça. Ce sera mieux comme ça. Ce sera mieux comme ça. Donc, Planet Zoo, qu'est-ce que c'est ? Planet Zoo, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est un jeu évidemment de gestion de parc, de parc zoologique. Le but est évidemment de créer un lieu agréable, d'accueil, de plaisir, mais évidemment de bien-être animal pour les gens qui nous, pour les gens qui viennent nous visiter. Le but est donc de créer nos premiers enclos. On va voir, j'ai pas encore de thématique précise, on va voir sur quoi on se base. Vraiment, il y a des nouveaux, il y a des nouveaux animaux qui ont été ajoutés la dernière fois qu'on y avait joué. Donc, on va voir ce qu'on y fait. Et puis voilà. Moi, ce que j'adore sur Planet Zoo, c'est décorer. Moi, j'adore décorer. Moi, personnellement, j'adore ça. Libérer pour Cheeky Girl, hein, Cheeky Girl. Terrible, terrible Cheeky Girl. Merci beaucoup Tibbs. Merci pour le 19e mois d'abonnement. Merci, merci beaucoup Tibbs. Tu régales. Merci énormément. C'est très cool. Donc voilà, merci beaucoup Diablo Manque, merci pour le 15e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on commence avec 40 000 $. On est en mode franchise, donc c'est-à-dire que c'est pas un mode bac à sable, donc on peut pas faire ce qu'on veut. On n'a pas, en mode, tu peux pas, on n'a pas genre argent illimité et tout. Mais on peut quand même, enfin, mais voilà. Du coup, moi j'aime bien quand même dans les jeux de gestion, avoir une forme de logique économique. Dans le sens où si tu fais tout en mode full libre et tout, je trouve que ça enlève un peu du challenge au jeu. J'aime bien me dire, voilà, il faut quand même qu'on ait un parc qui ramène un petit peu d'argent, qui nous permet de nous mettre un petit peu bien. Et voilà. Merci beaucoup Dom McKay, merci pour les 10 abonnements offerts. Merci beaucoup, merci énormément Dom McKay, incroyable. 10 abonnements offerts à la communauté. Est-ce qu'elle a mérité cette communauté ? Est-ce qu'elle a mérité tes 10 abonnements offerts ? Je ne sais pas, mais en tout cas, merci beaucoup. Donc voilà. Faut pas d'abo. Bah, faut lâcher ton Prime, Margot. Hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ça dégoûte, hein. Donc, le mode franchise, c'est le mode en ligne où, en gros, tu peux après aller visiter les... Les gens peuvent venir visiter ton parc et toi, tu peux aller visiter les parcs des autres. Et donc voilà. Donc, j'aime bien la logique de un peu rentabilité, histoire qu'il y ait du challenge, parce que si c'est tout de suite trop facile de créer et tout ça, c'est un peu dommage. Donc voilà. Merci beaucoup, Nabevico. Merci pour le 22e mois d'abonnement, le train live qui est au niveau 4, messieurs, dames. Je ne peux que... vous invitez à monter dans le train de la hype, évidemment, n'hésitez pas, le train de la hype, direction Quimper et alentour. Et merci beaucoup, Bisounounours qui a offert son abonnement à Margot, merci beaucoup. Elle a forcé et elle a eu son abonnement. Donc, l'idée, ça va être de faire peut-être d'abord une petite entrée, là. Faire une petite entrée et de faire un premier petit biome. Alors, je sais pas jusqu'à où on va aller avec ce petit zoo, je sais pas encore... quelles sont toutes les idées, quelles sont encore toutes nos envies avec ce parc, mais on va trouver et on va construire ça au fur et à mesure tous ensemble. Et on va trouver au fur et à mesure. On va faire des biomes. Moi, j'aime bien faire un peu des biomes soit par thème de continent, soit par thème de milieu. C'est-à-dire, je sais pas, par thématique, c'est-à-dire les singes dans un endroit, les animaux aquatiques dans un autre, les félins dans un autre. Voilà, ça peut dépendre. Oh, ils ont déjà fait un... incroyable. Une sorte de... Oh, c'est trop stylé, ça. C'est bien, ça. Une sorte de... J'aime bien cette idée. Ça peut donner de l'inspi. Merci beaucoup, JJ. Merci beaucoup pour le Prime.
Alors évidemment, le but est de préserver des espèces, mais le but principal de notre campagne, c'est évidemment de faire un maximum d'argent. Bien sûr. Merci beaucoup, GG. Des loutres, s'il te plaît, ça fait 4 jours qu'on attend ça chez PA. Ouais, mais après, les loutres. On va voir ce qu'on peut faire, on va voir. Go la moula. Go la moula. Donc, première allée, on va faire une petite allée pour commencer. Oui, c'est vrai. Il va falloir le temps. Il va falloir un petit peu de temps pour, on va dire, se remettre un peu dans le bain et tout ça. Hein. Je vous dis tout de suite. Je vous dis tout de suite. Le temps qu'on se remette un peu dans le bain, tu peux aligner sur la grille. Tu peux faire des bords carrés et tout. Parce que j'aimerais faire une entrée un peu balèze. Tu sais, un peu accueillante, quoi. Parce que j'aimerais faire un truc un peu carré. Une entrée un peu balèze, quoi. Est-ce qu'on peut faire des trucs carrés? J'ai oublié. Merci beaucoup, Spaghetti. Merci beaucoup pour le sub, tier 1. Bienvenue parmi les cerveaux. Welcome on stream. Merci, Spaghetti. Donc ouais, alors attendez, comment je regarde passerelle. Aligner les rambardes, alignement des clôtures. Utiliser les... Bord carré, c'est ça. Voilà, petit bord carré. Comme ça, on arrive, c'est propre. On arrive, il y a une belle... une sorte de bel espace et les gens peuvent, on va dire, un peu, voilà, se balader. Parce que c'est vrai que si tu pars directement sur une allée, peut-être que les gens vont se dire wow, 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 c'est hyper pressant. Du coup, ce qui fait que les gens pourront partir ici, pourront partir aussi un peu à droite ou directement à gauche. On fait une sorte de hub. C'est une sorte de hub de départ. Un hub de départ pour que les gens puissent s'y sentir bien. Se dire, ok, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je choisis? Je suis mon propre héros. Tu vois, je suis un lead designer d'un studio triple A random et qui dit, il faut que ce soit une sorte d'open world endémique où les gens vont pouvoir créer leur propre aventure. Et ben nous, dans notre zoo, ce sera la même chose. Merci beaucoup, Gloops. Merci pour le deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup. C'est ça. Merci beaucoup, Eldamino. Merci pour le 16e mois. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu sur le stream, mais c'est toujours un plaisir de revenir. Merci beaucoup. Ça fait un gros plaisir de te revoir. Merci à toi, évidemment. Je pense qu'on fera une sorte de grande allée, une grande allée avec plein de statues. Une grande allée avec plein de statues ici. En fait, je réfléchis un peu à la disposition avant. Parce que si on fait trop de choses directes, après on va... Pas de mettre en pause, vous avez raison, faut que je mette en pause. Je mets en pause. Donc, il faut qu'on réfléchisse un petit peu. Disposition. Moi j'aime bien l'idée d'avoir des primates dans une zone un peu surélevée. J'aime bien l'idée d'une montagne de primates. Ça pourrait être là. Ça pourrait être là-bas aussi. Pas ici, c'est un peu trop pentu. Mais on pourrait commencer par la gauche ici. On pourrait commencer par la gauche, c'est pas impossible. Merci beaucoup Velociraptor, merci pour les 5 abonnements offerts à la communauté. Merci beaucoup le train live évidemment qui ne s'arrête plus bien sûr. Merci beaucoup le train live qui explose messieurs dames, merci beaucoup. Ça fait très plaisir. Si vous avez des primes, il ne faut pas oublier ces primes. Il ne faut pas laisser dormir des primes. Merci beaucoup Nathan, merci pour le 5e mois d'abonnement, merci beaucoup. Merci Pépinofi, merci pour le 4e mois. Une montagne de primates pour symboliser les viewers? Peut-être un petit peu. Il y a peut-être un peu de ça. Et là, on fait des grandes allées. Mais quand t'arrives dans un parc, qu'est-ce qu'il y a à l'entrée d'un parc zoologique d'habitude? Comment est-ce qu'on pourrait imaginer ça? Merci beaucoup, c'est Lorchi. Merci pour le prime, le premier sur la chaîne. Welcome. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer ça? Genre, t'arrives dans le parc, tu prends l'allée principale, qu'est-ce qu'il y a? Une boutique. C'est vrai qu'il faudrait une sorte d'arc... C'est vrai qu'il faudrait une sorte de... Il faudrait des boutiques. Des terrariums. Moi, je pense que dans l'entrée du parc... Ici, il va falloir penser à une sorte d'espace, vous avez raison. Une esplanade un peu... Oh, vous savez ce qu'on va faire? Ici, on va commencer à créer une sorte de terrasse. En fait,
créer ici le hub de départ. On va garder cette idée du hub de départ. On la garde dans notre petite tête et on se le dit. L'idée, c'est de créer un espace de vente, de shop, de bar ici. Et en fait, il y aura une sorte d'escalier qui va monter. Et en fait, ça donnera la vue sur le premier grand enclos du parc. Qui sera un peu une sorte de parc. Et en fait, ils vont monter. Et ce sera une sorte de promontoire où ils verront le parc un peu de la hauteur. Et comme ça, ils verront tout le parc. Et l'idée, ce serait peut-être de mettre soit des... au début, j'aimerais bien mettre à terme des lions, que ce soit j'aimerais bien que ce soit un premier sorte de enclos stylé, mais on fera avec ce qu'on peut. Si ce sera des gazelles au début, ce sera des gazelles, et puis voilà. Mais dans l'idée, mais vous avez mon idée. Juste, il faut qu'on trouve la thématique qui nous va, quoi, parce que... juste qu'on trouve la thématique. Parce que sinon, il faut qu'on fasse le... Ouais. Pas de boutique au début, tu vas perdre masse thune. Ouais, mais bon, moi j'aimerais quand même que ça ressemble à quelque chose, notre parc, quoi. Alors, les interfaces, juste de revoir, là, c'est le truc des boissons. C'est pour les petits animaux, locaux du personnel. Très bien. Nature. J'ai beaucoup de trucs genre thème africain. Est-ce qu'on a quelque chose sur autre pour les habitats? C'est pour nos amis les animaux. Est-ce qu'on a quelque chose type thème? Voilà, thème par exemple. Si je mets Afrique du Nord, on n'a rien. Hein. Donc il n'y en a que le compte du télécharge à bloquer. Amérique du Nord par exemple, il n'y a rien. J'ai qu'un thème Afrique. Comment ça se fait que j'ai qu'un thème Afrique? Dans un des DLC je crois. On va voir. Et un biome de neige ultra stylax, mais ça coûte de l'argent, non? On adore l'Afrique, c'est vrai qu'il faut faire des recherches. Ok, donc. On va essayer de faire quand même, au début, quelque chose de... Il faut qu'on prévoie de la place. Donc ça va, l'idée que vous avez... On a l'idée du promontoire et on va la garder. Juste, il faut se dire qu'on n'aura pas ça tout de suite. Donc voilà. On va commencer juste, on va faire une première, on va continuer un peu sur ce truc de l'allée là. Hop, largeur, 10 mètres. Ok. Voilà. On garde cette idée là pour l'instant. Avec des espaces où les gens pourront venir boire des coups, etc. machin. Voilà. Voilà. Voilà, donc là, et là après on fait aligner sur la grille. Bord carré, non, pas spécialement, on va faire un tout petit peu plus long. Et là, il y aura un premier enclos en phase 2. Après, on voit après. C'est une grande allée. Et là, boum, boum, boum. Ah oui, ça discrimine les fauteuils directs. On mettra un petit ascenseur. On mettra un petit ascenseur. Très bien. Là, il nous faut des ateliers, il nous faut une salle du personnel, etc. etc. Donc il nous faut ça aussi assez vite, quoi. D'accord que c'est pas aligné. Comment ça, c'est pas aligné? Je vois ce que vous voulez dire. Je vois ce que vous voulez dire. Je vois ce que vous voulez dire. J'entends vos remarques et vos diatribes. J'entends votre haine. C'est pas du tout droit, hein. C'est énorme. C'est vrai que ça n'était pas droit, je plaide coupable. Comment est-ce que je fais pour que ce soit droit? Attendez. Voilà. Aligné sur angle.
J'ai aligné sur angle droit. Hop, parfait. Et là, on fait bord carré. C'est droit. C'est bon, ça va les nazis de la symétrie? C'est bon, vous êtes contents? Merci, c'est bon. Ok. Oui, merci, merci. Vous êtes détestable. Enfin, je vous dis détestable, attention, peut-être que les mots sont forts, peut-être que les mots sont forts. Peut-être que les mots sont forts. On a Trackmania. Donc... On a commencé par ça, maintenant il faut qu'on commence par faire un peu le... pour engager le personnel, on a besoin de ça. Il vous faut une salle du personnel, ça c'est vrai. Il faut une salle du personnel, mais du coup, en fait ce qui est chiant avec le personnel, c'est qu'il faut toujours lui trouver un endroit... Un peu à l'écart quand même, mine de rien. Donc il faudrait que j'anticipe un peu, qu'il soit pas trop loin de la prochaine zone qu'on aimerait faire, donc je pense par là. Il faut qu'on mette par là la zone, comme ça ils peuvent directement accéder ici, mais sans que ça interfère non plus. Avec le prochain passage que j'aimerais mettre là. En fait, si je mets là, j'ai peur que ce soit trop loin, quoi. Peut-être plus là, à mon avis. Ici, là. Ça pourrait être bien. Du coup, ce qu'il faut faire... Faire une allée moins grande. 8 mètres, ce sera, très, ce sera suffisant, je pense. Et l'idée, après, c'est que ça remonte par là, quoi. Et à terme, ça remonte par là. Donc, voilà. Et donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est une allée pour le service. Donc les allées d'employés. Ah voilà. C'est... Pour le service, ce sera par là. Voilà. Hop là. Merveilleux. Merveilleux. Merveilleuse allée. C'est sublime. C'est sublime. Hop. Donc, il nous faut un... voilà. Il nous faut un cabane des soigneurs. On sera pas très beau au début, mais en même temps, bon, on fait avec ce qu'on peut et on fait avec ce qu'on a, surtout. Et surtout avec le peu d'argent qu'on a. Voilà. Il nous faut un centre d'échange pour qu'on puisse avoir justement des... Voilà. Un cabinet vétérinaire. Voilà, merveilleux, un cabinet pour les vétérinaires. Je ne crois pas que ce soit notre modèle économique principal, hein, les soins vétérinaires, parce que vu le prix que ça coûte de faire soigner ces animaux... Ah. Une zone de quarantaine, voilà. Donc ça, c'est tous les bâtiments qui sont nécessaires au bon fonctionnement de... Au bon fonctionnement. Vidarium service. Il me manque quelque chose, non? Atelier, cabane de soigneurs, cabinet vétérinaire, centre d'échange, centre de recherche. Centre de recherche. Non, j'ai tout. Une salle du personnel aussi. J'aurais quand même pu prendre ça, hein. Mais ça coûte beaucoup plus cher, quoi. Pas beaucoup plus cher. Salle de repos. On reste sur du pré-construit. Hein. Ça nous coûtera moins cher, mais à terme, on pourra changer, mettre des trucs un peu plus beaux, etc. Bien sûr.
Il faut de l'eau et l'électricité, bien sûr. Donc, il faut un truc de traitement d'eau. Il faut un transformateur. Ça, c'est pas très beau, donc il faut essayer de le cacher un peu des visiteurs. Ça, c'est des choses, c'est pas très stylé. Traînement d'eau, je sais même plus où on a besoin de ça. Et après, on peut mettre des petits arbres devant, là, pour cacher. Donc là, hop, filtre. Hop, on met des continents. Hop, Europe. Cher les arbres. Hein. J'aime trop la déco dans ce jeu, c'est vraiment le meilleur truc. Au départ, tu peux pas en faire beaucoup parce que bah, t'as besoin de faire de la thune, mais... Pas trop bas. Il est un peu bas, ce... Il est un peu bas, ce... Voilà. J'aime la déco, mais c'est un... voilà, ouais, c'est bien. Voilà, comme ça, les gens voient pas. Voilà, donc, là, on a notre... Là, c'est un peu bleu, on va dire, voilà. Là, c'est bon. Là, on a l'utilitaire, ce dont on a besoin pour pouvoir faire venir nos animaux. Maintenant, échange animaux, qu'est-ce qu'on a de disponible ? Qu'est-ce qu'on a de disponible ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme premier enclos, histoire vraiment de marquer le coup, quoi ? Putain, mais c'est vrai que j'ai ça, moi, en attente. Non, mais c'est abusé de commencer par ça, non? J'ai un lion d'Afrique, albinos. Mais ça, c'est cheaté. C'est des trucs de mes anciens... c'est des trucs de mes anciens... de mes anciens. Arc. Donc, voilà. En vrai, c'est bien la Lion d'Afrique de l'Ouest, mais ça peut coûter... mais ouais, en fait, je trouve que c'est un peu triché, quoi. Donc, des espèces. Des girafes. Est-ce qu'on peut avoir des girafes au début? Ça doit coûter cher, les girafes. Girafes réticulées. Ça pourrait, mais j'utiliserais du coup mes feuilles. Mais une girafe, c'est... ouais. Moi, j'aime bien les grizzlies. Volatiles. Commencer par des... Des tortues géantes, des bisons d'Amérique, trop bien. Ramona ! Défi du zoo. Adopter des animaux du vivarium. Ok. Merci beaucoup, One Man Show. Merci pour le Prime. Donc, on a ça. On a des dromadaires. Est-ce qu'on ferait pas des loups pour commencer? Des loups, c'est pas mal des loups pour commencer, non? Des loups gris. Ça coûte combien des loups? On se part des loups. Des loups, c'est pas mal en vrai. Hein. Alors, évidemment, on pourrait prendre des loups extrêmement stylés. Genre un loup gris. Ça vit combien de temps, les loups? Les loups, ça vit combien de temps? C'est une bonne question, ça. Hein. Zoopédie, qu'est-ce que ça nous dit? Alors ça, c'est bien parce que dans le jeu, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, t'as un système de zoopédie qui te donne beaucoup d'infos sur l'endroit où peut évoluer ton loup, quels sont, on va dire, ses lieux préférentiels, l'espace dont il a besoin pour vivre, le nombre d'individus dans lequel il a besoin de vivre pour être bien dans son enclos. Parfois, t'as des animaux solitaires, des fois, des animaux qui ont besoin de vivre en groupe, tels que le loup qui a besoin de vivre en meute. Les températures requises, donc entre moins 8 et moins 29 degrés. Voilà, donc tu as différentes informations. Donc ça vit taille de 2 à 12. Donc il faut de 2 à 12. Mais est-ce qu'on a l'âge aussi?
Je vais pas avoir l'âge. 12 ans. Longévité 12 ans. Donc, il faut qu'on joue un peu sur tous ces trucs-là pour savoir qu'est-ce qui nous coûterait pas trop cher au début, notamment. Donc, on a plein de choses à savoir. Loup arctique. Le loup arctique, en fait, on a que deux sortes de loups, quoi. On a le loup gris ou le loup arctique. Mais le loup gris, le truc, c'est qu'il vit entre moins 8 et moins 29 degrés. Et bon, bah, c'est vrai que, bon... On peut mettre toujours des régulateurs de chaleur, c'est vrai. Ah, c'est plus 29 de... c'est plus de 29 degrés, pardon, j'ai pas bien vu. Non, c'est moins 2 à 29. Ah, pardon, j'ai pas vu. J'ai mal lu. Excusez-moi. Échange d'animaux. Donc, on peut partir sur le délire du loup gris. Ça pourrait être bien. Ils ont 5 ans, 6 ans, 6 ans. Donc, on a au moins 6 ans devant nous. Pour 3 des loups. On a un loup gris ici. On peut commencer parce qu'après on a que 3 loups gris quoi, c'est ça le... Après on a plusieurs loups après derrière ici. Il n'y aurait 4 loups de dispo. Après ils feront des petits entre eux et puis voilà. Allez, faisons ça. Prenons des loups gris, commençons par des loups. Mignon les loups, j'aime bien plus en faire. D'où il a 7 cafeuilles. Parce qu'on m'en a envoyé. On m'a offert des feuilles. Il faut au moins... Elle a 6 ans, fertilité 50%. Donc là, il y a des stats ici, comme vous le voyez, qui sont des stats qui sont importantes pour les loups. Et évidemment, plus vous avez un loup qui est, on va dire, vous le voyez, avec des gros stats, plus évidemment, il va ou elle va coûter cher. Et évidemment, les loups de départ, elle est pas si mal au final. Après, le problème, c'est qu'elle a peu de fertilité. C'est un peu le problème. Et donc, évidemment, ça va influencer la fertilité, le fait d'avoir plus facilement des enfants... Quoi, ça va jouer. Après, le truc, c'est que si c'est à 7000 feuilles, j'ai pas envie de claquer toutes mes feuilles dans un seul loup, quoi. Tu vois, ça qui me ferait un peu... envie de tout claquer dans un seul loup, quoi. Après, je pourrais, dans le sens où... si je prends celui-là, bah après, je revends des loups très chers derrière. Mais bon. Ils sont très chers quand même, hein. 119. Celui-là est pas mal en vrai. On peut prendre un mâle. Et après on peut prendre des femelles. Il a que 4 ans celui-là, donc ça va. Hop. On peut récupérer. Hop. Un mâle, deux femelles, ça devrait faire niveau bébé. Ouais, je pense que ça va être pas mal. On va commencer là-dessus. Nous, faut qu'on s'occupe de faire notre parc. By the way. Donc, on fait un premier enclos. Premier enclos important. Ici, on peut faire des palissades. Commencer par des palissades ici. Ça coûte moins cher et de toute façon il n'y a pas besoin d'autre chose puisque de toute façon les gens ne voient pas. Ils sont au-dessus. Je vous avoue, j'adore faire des enclos. Je peux rester vraiment beaucoup de temps à faire un enclos. Donc je sais pas si on aura beaucoup le budget ou quoi que ce soit, on verra, mais ça peut me prendre du temps. Un enclos, ça peut durer très longtemps. Tu es moyen ou en difficile? Je suis en moyen. Ah, on me rend compte de la taille là, je vous avoue. Après, on pourra peut-être pas faire ce qu'on veut au début, puisque bah voilà, la thune, tout ça. Voilà, ok, hop. Ok. Mettre 3 mètres au cas où, parce que j'ai peur que le loup saute en fait.
Voilà. C'est un premier enclos. Regarde la taille pour l'enclos pour les loups. Zoopédie, vous avez raison, on va checker ça. Zoopédie. Les loups gris. Il nous faut un terrain requis de 1162 mètres carrés. Il faut des gros trucs pour les loups, c'est normal. Comment est-ce qu'on sait le mètre carré qu'il y a dans un enclos? Entrée visiteur, non. Entrée habitat. Ok, là il fait combien en taille? Il fait 4000. On a peut-être un peu abusé. Il fait 4064 mètres carrés. On a peut-être un peu... Combien? 4064 mètres carrés. On a peut-être un peu abusé sur la taille de l'enclos. Ouais. Peut-être qu'ils n'ont pas besoin d'autant. Je te dis, on va réduire un peu. Bon, c'est cool, c'est pour... ils sont en semi-liberté, quoi. Ouais, vous pensez? Moi, je pense que c'est beaucoup, hein. Clôture. Hop, on va remettre. Mais la semi-liberté, c'est un peu overkill, non? Ok. Attendez, hop, tac, tac. Tac, voilà. Bon, j'ai refait sensiblement la même chose. Hop, entrée de l'habitat, ici. 3000, voilà, 3000 ce sera bien. 3000 ce sera bien, comme ça ils sont à portée de vue de tout. Ça c'est bien. Hop, modifier la clôture. Donc, on va modifier la clôture. Comme je disais, on va le remettre un peu à 3 mètres. 3 mètres c'est bien. 3 mètres ça permet d'éviter qu'il saute par-dessus. Voilà, parfait. Donc, il nous reste quand même des sous pour faire... c'est pour un seul loup que t'as regardé. Est-ce que vous croyez vraiment que... On a accès à la zoopédie. Je regarde où est la zoopédie pour que je puisse accéder directement à celle-ci. Parce que là, je passe toujours par l'onglet échange des animaux, mais j'aimerais bien plutôt y aller direct. Domingo, t'as donné envie de jouer? Ouais, de fou. C'est en haut à gauche, merci beaucoup. Ouais, de fou, j'avoue. Je l'avoue, je plaide coupable. De moins 29 à 29 degrés. Mais en fait, j'ai été bait par le petit tiré entre les deux. Information naturelle, origine. Comment est-ce que je fais pour savoir... pour une meute, combien il y a besoin de mètres carrés? Ah, c'est bien fait, ça. Ah bah, je suis large, en vrai. Ouais, regardez, même pour 10, je suis déjà large. Moi, c'est bon. On est large. C'est vraiment bien fait comme jeu, hein. Genre, t'as des questions, ça y répond assez facilement. C'est vraiment génial. Très bien. Donc, d'après la zoopédie, ils ont besoin de quoi comme... Donc, c'est un biome climat tempéré, etc. Qu'est-ce qu'ils aiment comme... On va leur faire un petit endroit un peu tempéré, je pense. En mode nature, en... Je pense qu'on va faire un truc. Alors attendez. On va faire un peu de terraforming, mais pas trop non plus, parce que ça peut coûter extrêmement cher. Mais ça peut quand même être une bonne idée d'en faire un peu. Et oui, ça peut coûter très vite très cher. C'est juste histoire qu'il y ait un petit peu un truc sympa, quoi, pour eux. Voilà, hop. Voilà. Et petit truc, une petite colline. C'est une collinette. Hop là. Donc, c'est une collinette.
Comme ça, les gens même verront mieux. Ils pourront les voir genre en mode « Waouh, mais regarde, papa, il est là-bas, il est sur la collinette. » Délimitation requise 1,5 m. Ah, ils ont pas besoin de 3 mètres en fait. Pas besoin de 3 mètres. J'ai mis 3 mètres, mais j'ai abusé. En fait, ils ont besoin de 1,25 m. Mais quand même 1,50 m, histoire d'être sûr. Est-ce que ça escalade pas du tout un loup? C'est marrant quand même, hein. Mais là, ils pourront y accéder, ça va le faire normalement. Hop là, parfait. Nature. Nature, on va mettre un petit filtre thème Europe. Biome. On va mettre, du coup, c'est climat tempéré. Ils aiment bien climat tempéré. On va mettre un petit peu d'arbres et tout ça, quoi. Un petit peu d'arbres et tout. Hop. Hop, tac. Un petit peu d'arbre, là, comme ça. Faut pas trop non plus, parce que ça peut cacher la vue derrière et ce serait un peu dommage. Ah, là, j'en ai mis plusieurs des arbres, là. Bien joué. Bien vu, l'aveugle. Hop. Petit buisson, petit buisson, petit buisson, petit buisson plus tard. Ah, ils sont balèzes, les chênes, mine de rien. J'aime trop le décorer, ça va être trop long, ça va être trop long. Ça va être trop long, j'aime trop ça, j'aime trop. C'est tellement satisfaisant de construire son enclos, de le voir grandir, de créer une sorte de biome. T'as l'impression qu'il pourrait réellement vivre dedans. C'est tellement satisfaisant. Et j'aime, moi j'adore mettre des pierres. On est dans le climat... un cyprès. Est-ce que ça s'y prête, vraiment? Un petit ou là. Un petit cyprès. Un être. Wouah, the fuck, mec! Ah oui, c'est très grand, les êtres. Petit. Petit être un peu plus petit, là. Hop, voilà. Elles aiment un peu tout, je crois, de toute façon, donc... Ça, c'est un jeune chêne, ici. Hop là. Terrain. Est-ce qu'on peut mettre changer le type de terrain, ici? Ouais. Herbe longue. Herbe courte. Un petit peu d'herbe. Hop, un petit peu de... C'est un petit peu de terre, un peu de roche, voilà. Un peu de roche, un peu sur le côté de la voilà. Léger, 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 léger. Toujours léger. Sur le dessus, un peu de roche. Histoire de donner cette impression un peu de... C'était un peu desséché du haut du truc. Voilà. Terre légère. Voilà. Hop là. Il faudra faire un habitat et tout, quoi. Est-ce qu'on peut déjà, et vous avez raison, on va le faire, est-ce qu'on peut déjà envoyer un loup? On va reprendre l'avancée. On va déjà voir qu'est-ce qu'ils ont besoin, si ça va et tout, mais après on va continuer. On va voir s'il aime déjà ce qu'on fait, ce qu'on lui a proposé. Mon centre d'échange. Animaux en attente, parfait. On va mettre lui. Faire une allée aussi. Eh oui, faudrait faire une allée. Ah, mais ça semble compliqué les allées quand même à chaque fois, quoi. Voilà, ok. Faut que je recrute quelqu'un aussi. Il faut que j'ai recrute quelqu'un, donc je vais dans zoo, personnel,
On lui fait soigneur, engager un soigneur, voilà. Je vais mettre ici. Et là, en attente d'animaux, et je vais mettre celui-ci. Notre loup gris. Et let's go. Il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Votre zoo n'a pas de vétérinaire pour s'occuper des animaux. C'est vrai qu'il faut un vétérinaire. Les gars, tu as besoin d'électricité de soigneur. Normalement, j'ai traînement de l'eau, c'est ici. Oui, allez, cours! Cours, Esteban! Cours! Où reste Esteban? Voilà, parfait. Allez, run! Ah, ça freeze un petit peu, sorry. J'étais un peu trop près, je crois. C'est marrant quand je suis trop près, ça. Wouah! Ça ramouille un petit peu. Ah, ça va mieux comme ça. Voilà, parfait. Ah, bah voilà. Regardez-le, il arrive là. Mais non, jure. Waouh, il est là. Il est là, il est là. Regardez-le. Oh non, il est trop beau. Regardez-le, ce gros BJ. Waouh, bébou. Alors, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour toi, bro? Alors, donc, habitat. Qualité environnementale moyenne. Terrain, configuration de terrain inadapté à cet animal. Ah là là, c'est le terrain donc. Bien-être, il manque un peu d'optimisation. Et abri solide. Ouais, c'est ça, en fait, il manque un abri solide aussi. Ok, et optimisation, bah il faut des trucs pour qu'il s'amuse quoi. Donc, habitat, optimisation. On sait que lui, il aime bien les petits arroseurs automates secs. On sait qu'il aime bien les balles pour rienche. Voilà. Voilà, sympa. Et qu'est-ce que... Attends, la zoopédie me dit quoi sur le... Les optimisations, ça aime quoi? J'aime bien les cartons. Et le régime alimentaire. Paquet cadeau. Les blocs de glace, il aime bien les blocs de glace. Très bien. Il faut un truc pour qu'il s'amuse, quoi. Optimisation couvre partiellement les besoins d'un animal. Donc. Balle en tuyau. Un petit bloc de glace, ça va lui faire plaisir. Et un petit carton. Est-ce que c'est mieux là? Ok, parfait. Abri solide. Abri solide, ce qu'on pourrait faire, quelqu'un avait une bonne idée dans le chat. Et c'était, je trouve, assez bien vu. C'était faire un trou dans la montagne. C'est pas déconnant du tout. Dans la montagne, dans la collinette, quoi. C'était pas une mauvaise idée. Une sorte de trou un peu où ils peuvent aller. La petite collinette. Ah, la petite collinette là. Et le terrain aussi. Mais le terrain, je sais pas trop ce que ça veut dire en fait. Qu'est-ce qui va pas dans le terrain? C'est ça qui me...
Qu'est-ce qui ne va pas? Ça qui me m'inquiète un peu, je sais pas ce qui ne leur suffit pas. Deuxième onglet. Ah, merci beaucoup. Il faut plus d'herbes longues. Il y a trop d'herbes longues. Et il y a trop d'herbes longues, ouais, c'est ça. Il n'y a pas assez de terre. On peut mettre de la roche un peu plus. Ah, bah ça me va alors la roche, moi j'aime bien. Tant mieux, on peut mettre plus de roche. D'ailleurs, vous savez ce qu'on va faire. On va même, hop, dans Habitat. Dans Habitat, regardez, boum. Boum, on va mettre des pierres. De la grosse pierrasse. La pierrasse, c'est ce qu'il y a, il y a que ça de vrai. La pierrasse. La pierrasse. Boum. De la pierre. Boum, de la grosse pierre. Voilà. Hop, tac. J'ai une idée de fou là. Attendez, j'ai une idée. On va faire. Hop. Hop là, voilà. Hop là, petit abri en pierre comme ça. Petite pierrasse. Mais est-ce que ça va marcher quoi? Est-ce qu'ils vont aller dans un abri? À subir pour abri solide. Ça, ce sera pas bien pour un abri solide. Ah! Dommage. Sinon, on peut mettre de la roche, de la terre aussi. De la terre, ça peut être bien de la terre. On va juste mettre au moins le terrain d'équerre déjà. De la terre. La petite terre un peu partout là. Mettre de la terre un peu aux alentours là. Voilà, derrière là. Qui kiffe un peu. Il faut mettre enlever toute l'herbe longue parce qu'en fait il aime pas ça quoi. Il aime vraiment pas ça le bro. On peut mettre de l'intensité. Faire tout sauf ça quoi. On va mettre plus de terre maintenant. Petite terre lourde là. Moins d'intensité. Hop là. Voilà. Un peu plus de terre légère ailleurs. Il y a mon chat. Oh non, Clarisse, qu'est-ce que tu fais? Elle appuie sur tout. Dis-moi. Dis-moi, mon chat a appuyé sur absolument tout. Par contre, on va juste avancer un peu parce que l'éclairage comme ça est un peu insupportable. Abri solide, il y avait de l'idée, mais il faudra un truc plus profond, je pense. Là, il fait vraiment nuit quoi. Est-ce qu'il y a un truc pour faire un mode jour? Pas assez d'herbe longue. Non, il y en a trop. Toujours. Il y a toujours trop d'herbe longue. Mais elle est où du coup là, l'herbe longue? Elle est là. J'ai pas assez de roche. Je vais plutôt mettre de la roche grossière ici. Oula, elle est trop grossière. Oula, oula, oula. Elle m'a insulté. J'aime pas ça. C'est trop grossier. Non, c'est trop, c'est trop. Elle m'a insulté fort. Ah, merci. Merci, ça sera bien mieux comme ça. On n'a pas beaucoup de sable non plus. Oh, le sable, on peut le mettre. On peut baisser la taille, le sable. Juste à l'entrée du. Ici. Ah, il faut encore enlever de l'herbe longue. Faut traquer l'herbe longue. Si vous voyez de l'herbe longue. Attaquez-la! Voilà. Hop, sublime. Baisser cette herbe longue de ses morts.
Et il n'y a plus d'herbe longue là, je sais pas où ils en ont trouvé d'autres, mais... Ah bro, je veux bien t'aider, mais... Ah oui, l'abri, il y en a dedans, vous avez raison. Oh. Un autre ennemi juré. Sable dedans, là. Je baisse juste la taille. Faudra qu'on creuse après. Le budget font très vite, ça va. Ah, elle est là. La saloperie d'herbe longue, on l'a retrouvée. Qui était là depuis le début. Ah mais ça enlève tellement peu, mais... Enfin, la chasse à l'herbe longue. Oh là là, si seulement j'avais des gens qui pouvaient faire ça pour moi. Allez, plus que quelques petits pourcents. Ah mais c'est, en fait c'est sur les bords quoi. Si on avait un petit peu aussi. Là y'a plus. Là c'est mort, y'a plus air frère. C'est bon. On avait encore là un peu. Sur les côtés quoi mais... Il irait les raids dans ton parc pour avoir la luminosité. Relou. Ah bah oui, j'aimerais bien enlever ça. Alors c'est dans où les... Dans le... Quelque chose sur le parc. Alors attendez, juste pour qu'on change les... Parce que j'avoue que ça me prend un tout petit peu la tête là, ce truc de... Je réfléchis juste, j'essaie de... Recherche mécanique, transport... C'est sous les rochers. Ouais, juste je vais changer les horaires... Je savais qu'on pouvait changer les horaires pour que justement c'est dans général. Général. Voilà, merveilleux. Voilà, ce sera bien mieux. Oh, il reste encore 13% d'herbe longue là, mais... Où est-elle? Où se cache-t-elle? Je vous en conjure, dites-moi. Où sont ces herbes longues? Où sont ces herbes longues, je vous en conjure. On va trouver. On met des petites pointes de verre autour des arbres quand même. Ça enlève petit à petit quand même, mine de rien, c'est bien. C'est plus que... Oh là là. Des buissons. Vous pensez que c'est les buissons? Non, je pense pas, c'est différent encore. C'est autre chose, des buissons. Ouais, c'est autre chose encore. Je fais Domingo, il faut rajouter de l'herbe longue. Ah bon? Mais non. Non, je crois pas, ça semble bizarre. Parce que si tu rajoutes de la bombe, faut l'enlever, justement. Faut l'enlever. Encore le long de la clôture. Ah ouais, mais vraiment? Alors, attendez. C'est un truc radical. Herbe... Les terrains. Attends, on se bat contre l'herbe longue, quoi. Intensité, 100%. C'est bon. Let's go. Il en restait dans un coin, là. Parfait. Donc là, on est bon. Là, c'est bon pour l'herbe longue. Merveilleux. Donc du coup, ceci étant fait, maintenant, on peut creuser encore un peu ici. Oula. Pas trop creuser.
Pas trop. Hop. Non. Mais ça refait de l'herbe longue du coup. Par défaut. J'essaie de faire un truc profond, mais... Voilà. Ok. Faut pas que ça se voit à l'extérieur, faut pas que ça se voit à l'extérieur. Un petit peu, mais on peut... Hop, on peut... Voilà. En vrai, on crée un truc pas mal, là. Hop, là, texturé. Et là, on peut mettre de la terre légère. Hop. Hop, voilà, merveilleux. Est-ce que ça lui va mieux ou pas comme ça au bro? Ah, let's go, abri solide, c'est fait. Super. Donc ça, c'était notre abri solide. Parfait. Maintenant qu'on a notre base, tout est bon, l'environnement est bon. Maintenant, on peut un peu améliorer ce qu'on a fait là. On peut le dupliquer ici. Hop. Faire un vrai truc un peu cool. Sympa la grotte. Ouais, la grotte, ça va être cool. La grotte, ça va être cool. Hop, tac. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va faire un petit terrain. Là, regardez, regardez ça, regardez ça. Hop, on va creuser un peu ici aussi. Non, c'est trop grand. 9, c'est trop grand. En fait, j'aimerais bien faire ici une sorte de petite... Hop. Voilà. Un petit truc qui coule là, qui... Hop, tac, tac, tac. Et dans environnement... Comment est-ce qu'on peut genre creuser un peu ça? Et genre une petite truc qui tombe là, genre. T'as une petite fontaine qui tombe ici. Merci beaucoup, Taylor. Merci beaucoup pour le Prime. Merci beaucoup pour le soutien. Régal, merci énormément. Donc là, une sorte de petite... voilà, il faudrait creuser encore un petit peu. Hop, il va falloir faire une toute petite taille, c'est le seul truc. Ah, tiens, ouais. Ah, attendez. Non, c'est trop grand. J'ai fait nimp. Voilà. Et là, est-ce qu'on peut mettre de l'eau quelque part? Et là, normalement, après, on peut mettre dans nature. Chute d'eau, il doit y avoir un truc effet spéciaux chute d'eau, non? Il doit y avoir quelque chose dans ce genre là. Ok. Aligné avec la surface du coup. Hop. Pas mal. Pas mal. Il faut juste que j'aie un petit côté chute d'eau. Comme ça, je baisse les herbes pour quand même on voit le... Hop. Là-dedans, tu peux trier par espèce. Demande à PA pour la chute d'eau, c'est un pro. Ah, mais j'aimerais bien faire une petite chute d'eau, là, mais comment on fait? Fleur. Fleur, c'est bien, mais c'est pas ce qu'on cherche. C'est le désert à gauche. Oui, mais on va arranger ça, vous en faites pas. Step by step, on peut pas tout faire d'un coup. Hein. Ça prend du temps. Donc, les constructions. Ah, parfait, merci beaucoup. Construction... Ah, effets spéciaux, parfait. Ah, parfait. Est-ce qu'il y a chute d'eau? Oui, il y a, parfait. Spécial chute d'eau 10 mètres. On est sur une discipline olympique.
Parfait. Hop. Voilà. Non, le petit jet d'eau c'était en trop, je suis d'accord. Celle-là, est-ce qu'on peut le déplacer? Voilà. Bah voilà. L'idée c'était ça. C'était ça. Merveilleux. On va y arriver, messieurs, dames, on va y arriver. Parfait. Faut juste donner un petit côté rocher. Voilà. Histoire que ça suite un peu la chute, comme si la chute était naturellement en train de... Voilà. Super, sublime. Hop là, putain, qu'est-ce que j'aime les rochers, putain. Bah voilà. Pas mal. Merci beaucoup Troxen, merci pour le Prime. Merci beaucoup. J'ai acheté 3 loups tout à l'heure. Ça c'est beau. Hein. Putain, c'est beau, hein. Putain, magnifique, magnifique. Il faudra un gros rochal, il faudra un énorme rocher. Un gros rocher posé en haut là. Voilà, pour donner encore un peu de grandeur à tout ça. On a du rocher vert ici ou pas? Parce que évidemment, réfléchissons, s'il y a de la humidité, ça veut dire qu'il y a du vert qui s'est déposé quelque part. Donc il faut du vert sur certains rochers. Ça semble logique. Vous suivez, c'est parfait. Donc il faut du vert un peu disséminé ici et là. Voilà. Ça semble normal. Hop, et à ça il faut du coup évidemment des plantes de climat, des orties par exemple. Ça fait. On a combien de budget là? 16 000, on est large pour poser des orties, c'est bien. Hop. Ouais, c'est bien. Sublime. Elle pousse dans les rochers, les orties, bien sûr. Entre les rochers. Ouh. Merci beaucoup, Poney. Merci pour le raid. Welcome à 94 personnes qui viennent d'arriver. Je suis mort. J'en peux plus. Sauf qu'il nous reste tout ça à faire. J'ai envie de Momo. Hop là. Bon, bah voilà. On a ça. Oh, c'est une base, hein. On aime ça, le zoo. J'espère que tu vas bien, Poney. T'étais sur Planète Zoo aussi ou pas? Je sais que tu voulais t'y remettre et tout ça. Remplacer les éléments comme tu veux. Tu peux enlever les angles pour pivoter. Ouais, c'est vrai. Oui, tout à fait. Vous avez raison. Faudrait que j'enlève ça. Mais là, on est pas mal déjà. En fait, l'idée, voilà. Donc, c'était l'idée de base. Maintenant, il faudra qu'on améliore tout ça, mais on a l'idée. La grotte va toujours bien dedans. Oui, normalement, c'est bon. Oui, je regarde si j'ai pas fait une dinguerie ou pas. Oui, c'est bon. Parce que des fois, tu poses un rocher et en fait, tu te rends compte que la grotte que t'as créée, t'as un énorme rocher qui transperce la grotte et t'es en mode. C'est tout de suite bien moins accueillant. Est-ce que toi, ça va, bro? Putain, il y a de l'herbe longue, la saloperie! Pardon. Saloperie d'herbe longue. C'est bon. Bah, carrément, Planète Zoo, c'est un bonheur. C'est trop bien, Planète Zoo, mec. C'est trop bien. Donc, maintenant qu'on a nos animaux, on peut emmener les deux. Hop, hop, envoyer dans le zoo. Hop là, parfait. Du coup, ça nous fera 3 loups qui seront ensemble. En vrai, on a bien gazé hein, sur ce premier là. C'est bien.
Hop, celui-là, on peut le copier. On peut arrêter d'aligner avec angle et arrêter d'aligner avec... voilà. Ça puisse se poser. Par contre, je vous conseille, n'hésitez pas à faire aligner sur la surface. Moi, je trouve que ça aide beaucoup au début. Après, quand tu fais des trucs précis, en fait, aligner à la surface, ça permet d'être toujours un peu rotor avec la surface. Vous voyez là. Et ça aide parce qu'au départ, quand tu dois juste... Tu sais, quand c'est juste posé comme ça, c'est un peu chiant de le manipuler, de le tourner, de faire X, de l'enfoncer et tout ça. Et en vrai, au début, quand tu fais aligner sur la surface, en vrai, ça aide beaucoup à, tu sais, à gagner du temps. C'est pas parfait parce que des fois, c'est pas positionné exactement comme tu voudrais. Mais ça fait vraiment, vraiment gagner du temps d'aligner avec la surface parce que du coup, bah, en gros, bah, c'est cohérent, quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Ou trigger ? Voilà. Donc voilà. Donc ouais. Comment est-ce qu'on fait pour savoir où est-ce qu'il peut aller le bougre ? Si je fais ça et que je fais... C'est où déjà que je vois ça ? Où est-ce que je vois qu'il peut aller dans le parc ? H. Il peut aller partout. H habitat. Ah! Donc là, il peut passer par-dessus. Abort the mission. On 3 mètres comme c'était prévu alors. Est-ce que c'est bon? Il peut toujours aller au-dessus, hein. Ça fait l'animation dans le parc, ça va. Non. On va faire ça. Vraiment que je la lève très haut, alors, là. Parce qu'il va loin, le bougre. Ça saute pas haut, hein. C'est bon ou pas? Mais comment se fait-ce? Maintenant, faut faire la thune maintenant. On n'a pas le choix, il faudra faire de la thune. De la moula, on va faire des vivariums après, ça coûte pas trop cher. On va top. Et bah c'est super. Donc, ceci étant... Il nous reste un peu, enfin on va quand même continuer à mettre un peu de décor parce que c'est très bien fourni au niveau ici, mais après le reste, c'est un peu là où je suis nul. Moi j'aime bien faire des belles pièces sur un endroit et après je... C'est un peu cata. Donc... hop, après c'est un peu cata. Je vais faire un truc un peu cohérent. Il est trop grand celui-là. Faut s'en aller, monsieur. Après, des chaînes, ça marche bien. Moi, j'aime bien. Après, faudrait un... Pas de sapin ou quoi? Il y a pas trop de sapin. Il part espèce rive. Propriété, pack de contenu, propriété. Je sais pas trop où tu voyais les filles. Par exemple, j'ai oublié de faire un truc qui nous rapporte beaucoup d'argent. Et qu'il faut que je le fasse. C'est évidemment la boîte de dons. On est boîte à dons.
il y a un don. Voilà, c'est ça. Où les gens puissent faire des dons. Voilà, il faut aussi que les gens puissent avoir des infos. Attends, il y a des trucs, des bancs. Qu'ils puissent regarder quoi. Se poser un peu parce qu'ils ont marché de la plupart. Voilà. Est-ce qu'il y a table de pique-nique? Non mais ça va, calmons-nous. Pas encore. Support éducatif. Ah voilà. Support éducatif là. Merveilleux. Sur le loup. Petit support sur le loup là. Hop, tac. Haut-parleur pédagogique. Haut-parleur pédagogique là. Hop, animaux, loup gris. Loup gris ici, c'est important, comme ça ça donne des infos aux visiteurs, ils sont contents d'avoir des infos. Loup gris. Il est où le deuxième? Il est là. Je l'ai placé en bas. Ça. Voilà. Allez voir, les gens ont de l'info. Bon voilà. Il faut qu'on fasse rentrer les... Pardon, excusez-moi, il y a... On met du son. Ok, très bien. On va cliquer celui-là. Il est vraiment très grand celui-là, c'est le problème. Il est vraiment très grand. Là ils appellent les loups. Là ils ont pas à manger hein, by the way. J'ai pas donné à manger. Je suis un fou. Mec a pas donné à manger, il est dingue. Grand mangeoir à rouleau fixe. Mangeoir suspendu, c'est pas ce qu'il kiffe je crois. Oui un autre loup il est arrivé. Oui bravo le loup. Bravo le loup, il est là. Oh mignon. Et en fait je sais pour trier par espèce mais j'arrive pas à trouver l'endroit pour trier par espèce. Parce que je connais un peu le jeu mais je connais pas tout, loin de là même. Optimisation alimentaire. Ah mais ça c'est de l'optimisation alimentaire. Nourriture. Ah voilà, ce sera mieux. Bon les loups on est d'accord qu'ils mangent ils mangent de la bouffe, hein. Enfin ils mangent de la viande. Hein. Abri solide. Ah peut-être va falloir augmenter l'abri solide. Parce qu'il est, il est plus tout seul. Il est plus tout seul du coup. Il va falloir agrandir. Non mais qu'est-ce qu'il mange comme type de nourriture? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il est sur type comme quoi comme type de nourriture? Ouais, ce qu'il faut savoir. Quand t'es dans les habitats, etc., tu cliques pour l'entonnoir, je crois. De la pizza principalement. Ouais, de la pizza quoi. De la pizza, je pense. Mais non, mais c'est savoir si quel genre de viande et tout, quoi. Mais je pense que ça se trouve, on met ça comme ça, on met de la nourriture directe en mangeoire, et puis voilà, quoi. Et puis, ils se régalent. Un plateau, un grand plateau. Boum. Boum. Voilà. Voilà, pour la bouffe. Les yimbes. Du coup, il faut que je creuse encore. Il faut un truc plus grand, là. Oh là là. Ils sont exigeants, hein, ces yinches sauvages. Exigeants de fou, hein. Attendez, je vais juste agrandir, du coup, le dessous, là. Faut creuser encore. Là, je refais un truc de fou, quand même. Là, je refais une belle grotte, là, pour 3. Je regardais si je... Pas trop. Normalement, ça devrait être OK. Et après, pour aplanir, ici, c'est bien. Comme ça, on est sûr qu'ils pourront y accéder. OK, et juste, on va changer. On va mettre de la terre.
avoir de la lumière, s'il vous plaît, de la lousse. Est-ce que ça va mieux, bro? Oui, ça va mieux. J'ai pas fait de trou béant quelque part? Non, c'est bon. Là, dans Habitat, tu cliques sur l'entonnoir et ensuite espèce ou biome. Ok. D'accord. Ah, d'accord, trié par espèce, d'accord, dans ce sens-là, pardon. J'avais compris par espèce de végétaux, j'étais en mode, c'est bizarre. Mais non, tu peux trier par espèce qui kiffe ce truc. Ok, et pour la nature, c'est pareil ou pas? Ouais, je sais pas si tu peux faire ça. Je vais faire pour espèce ici. Pas dans nature, quoi. Mais pour habitat après, dans ce qu'ils veulent manger et tout ça. Et conduite d'eau. Ouais, l'eau, après, ils peuvent en boire là, normalement, mais... Sait-on jamais. On va leur mettre un petit truc. Sauf que ça, c'est pas très beau. Je préfère le mettre un peu caché des visiteurs. Viser un endroit sûr où ils peuvent boire. Ça, c'est tranquille. Là, on va voir le troisième loup qui devrait pas tarder à arriver. Hop, allez, petit buisson à mettre ici. Hop. Ok. Ok, hop, celui-là. Hop. Ok, hop. C'est CTRL D, c'est vrai. Hop. Hop, nature. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme autre type de plante? Parce que sinon, ça va trop se ressembler. Ok. Quelques sapins. Ouais, il faudrait des sapins, mais... Je sais pas beaucoup à parler de sapins. Mettre des sapins. Est-ce que j'ai des sapins? Ah, mais dans les plantes, peut-être ça marchera pas, les sapins, je pense. Sapin. Là, typiquement, c'est vrai que pour un arbre, par exemple, aligné avec la surface, c'est pas le mieux parce que souvent, il va être un peu de travers et tout, quoi. Donc, du coup, c'est pas le must. On va plutôt enlever les groseilliers. Ok. Les loups aiment les sapins. On va voir, on va voir, on va voir. Normalement, oui. Genre de loups, ça aime les... Normalement, c'est bon. Bien-être. Let's go. Optimisation alimentaire. Ouais, c'est l'optimisation alimentaire qui pêche pour l'instant. Hop, tac. Genre une forêt, mais là on est pas mal là. Est-ce que celui-là est en trop aussi? Mais en vrai c'est pas mal hein, déjà comme premier enclos là. Comme premier enclos, on n'est pas dégueulasse hein, je trouve.
faudrait juste un peu plus de... Un peu plus de... Ouais, hop, un petit truc vert. Voilà. Des petites fougères ici et là, là. Petite fougère, petite fougère, petite fougère. Il peut y en avoir un peu partout des fois. Voilà. Hop. Merci beaucoup Christopher, merci pour le 6e mois d'abonnement. J'aimerais y vivre. Alors normalement c'est pour les loups. Après si vous voulez absolument y vivre, go hein, mais... Là, celle-là était un peu haute. Celle-là est en l'air aussi. Non, mais c'est bon. Du coup, en vrai, les loups, là, ils vont être bien. Les loups, je suis content. Ils vont avoir un beau premier habitat. Le truc a plutôt de la gueule. Donc c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ça peut prendre du temps hein, de faire un vrai bel enclos quand tu vois des mecs qui font du speed building et tout en mode... Wow. Ça peut prendre vraiment beaucoup, beaucoup de temps, mais... Hop là. Voilà. Oh. Messieurs, dames, premier enclos. Alors peut-être qu'il sera modifié, on va changer peut-être des trucs, etc., etc. Mais punaise. Premier enclos. Et on gagne de la thune. Et on gagne de la thune. Hello, Bédo. Ouf. Là, on n'est pas en mode bac à sable, on est en mode franchise, by the way. C'est pour ça que j'ai pas de la thune illimitée. Modifie le nom de l'enclos. Modifie le nom de l'enclos. On peut dire... L'enclos des loups. Bavo! L'enclos des loups. Ben voilà, mais c'est pas mal, là, ce qu'on a fait, du coup. Alors, du coup, petite grotte. Petite grotte tranquille. Avec une petite chute d'eau juste derrière. Ici, on a mis un petit truc. Oh, attendez, peut-être qu'on pourrait faire un petit... Regardez ce qu'on va faire, là. Hop. Hop, on va juste faire un truc vraiment très simple. Mais histoire de rajouter un peu d'autres choses dans ce... Hop, attendez, j'augmente un peu la taille. Boum, boum. Mais voilà, c'est juste histoire qu'on ait ici... Juste un autre plan d'eau avec de la pierre. Parce qu'en fait, il y a la pierre que met à un endroit, du coup... Le prétexte de mettre de la pierre, ce serait un petit plan d'eau. L'eau et la pierre, ça va toujours ensemble. Hein. C'est toujours un mélange tout à fait agréable. Hop là. Et là, tu fais un petit... Là, tu fais un petit truc, voilà, histoire de dire qu'il y a de la pierre aussi ailleurs, quoi. Sinon, il y a de la pierre qu'à un endroit et c'est toujours un peu bizarre. Alors que là, mettre un petit truc de pierre. Voilà, c'est toujours sympathique. De la pierre, il faut de la pierre toujours quand même. Un petit conglomérat de pierre, c'est bien quoi. Voilà, parfait. Pas besoin de beaucoup plus en réalité. Juste là. Voilà, ça là. Boum, bim, bam, boum. Hop, si on veut céder un petit peu et tricher un petit peu, on fait ça. Petite pierre grossière, on baisse et tout. Et on fait un petit contour ici. On peut même augmenter un peu la taille. Pour de prolonger un peu la pierre et se dire que c'est pas ex nihilo de rien du tout. Hop, on met des petites... On regardait. Et là, vous dites, ouais, mais les rives, c'est de la pierre. C'est un petit peu... C'est un petit peu brut. Et là, je dis, j'entends. J'entends vos remarques et j'entends vos diatribes. Mais j'y répondrai par... Hop, de la petite fougère, de la petite ortie. Évidemment, la streameuse n'a rien à voir là-dedans. Hop, boum. Bim, bam, boum. Hop, et là, tout de suite. Et là, tout de suite. Là, c'est grandiose. Est-ce qu'on a une petite... Hop, une petite aloe vera. Et je sais pas si l'aloe vera, ça va dans l'eau. Mais bon, bref, ça fait joli. Hop, bim, bam, boum.
Ça, ça fait un autre spot et c'est pas uniquement. Et là, on peut faire une sorte, ce qu'on pourrait appeler une sorte de chaîne de fraîcheur, peut-être. Une chaîne de fraîcheur avec, hop, plus de. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu aride entre les deux, sauf qu'il y a de l'eau. Donc, on pourrait presque imaginer que dans cet endroit, boum, t'as de l'herbe courte un peu là, là. Voilà. Presque un air de fraîcheur. Hop là. Hop, celui-là, on va juste le tourner un petit peu. Celle-là, on peut la copier là. Hop, boum. 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 L'artère de la fraîcheur. On pourrait presque imaginer qu'il y a de l'eau qui passe en dessous, quoi. Et c'est ça qui fait qu'il y a du vert. Du vert partout. Et boum, attends, il faudrait ça aussi, là. Et là, on peut ça aligner avec la surface. Typiquement, ce genre de plantes, là, qui sont des plantes un peu rampantes, dans 80% des cas, vous pouvez juste la poser comme ça. Juste comme ça, en mode... hop. Ah, là, parfois... Mais parfois, ça rend pas ouf, parce que... Voilà. Voilà. Et ben voilà. J'avoue, il y a des nénuphars. Ah, je sais pas s'il y a des nénuphars, bonne question. Attendez. Nénuphars. Nénuphars ? Non, je suis pas sûr. No. I think not. Enfin, si vous étiez un loup, vous serez pas bien là ? Si vous étiez des loups là. Est-ce que vous auriez pas envie de... Vous auriez pas envie... C'est quoi le bruit ? Vous auriez pas envie de dire à vos potes de venir ? Est-ce que vous voudriez pas être des loups là en fait, hein, juste pour être dans cet enclos? Moi je pense que vous avez vraiment envie d'être des loups. Hein. Je pense que vous avez vraiment envie d'être des loups, moi je pense là maintenant. Hein. Voilà le premier enclos. Bon, on peut arrêter la, la session ici. On fera pas mieux aujourd'hui. On fera pas mieux, on fera rien de mieux aujourd'hui. Je vous le dis tout de suite. On fera rien de mieux. GG, bonne journée à tous, bravo. On fera rien de mieux. Putain, il est en train de chier. Mais eh oh, wow, 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 wow. Zofanie, qu'est-ce que tu fais? Wow, 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 wow. Je crois qu'il faudrait qu'on respecte un peu l'environnement, on se trouve. On s'est fait chier à pas avoir d'herbe longue, c'est pas pour que tu viennes nous chier une énorme pendule devant les visiteurs. Puis c'est juste devant les visiteurs, mais putain, mais c'est... C'est vraiment... Zofanie, mais Zofanie, c'est vraiment le nom. Par contre, Zofanie, pour moi, c'est... Zofanie, pour moi, elle est, elle fait du violon. Et ses parents vivent, vivent dans une ville, sont bourgeois, c'est des bobos. Ses parents sont des pas... Zofanie! S'il te plaît, arrête. Merci beaucoup, Fizel, merci pour le Prime. Zofanie, on en a marre avec ton père. C'est tout le temps insupportable. Tu parles très très mal à tous tes camarades de classe, Zofanie. Et en plus, la prof vient nous dire que tu avais chié dans la salle de cours, Zofanie. Tu fais du violon et de l'exhib, Zofanie. Regardez, bah voilà, Zofanie. Ouh, c'est pas moi qui ai fait caca. C'est pas moi. Je m'en vais. Elle mange sans gluten, Zofanie. Putain, il y a des endroits derrière des arbres qui en auraient d'ailleurs bien besoin. Et toi, tu fais ça, Zofanie? Vraiment, ça me débecte. Par contre, là, il n'y a rien ici, là. C'est un peu désertique, vous me direz, c'est normal, il y a de la terre. Il faudrait passer tellement plus de temps pour faire un truc avec... Ouais, top, top, top. On peut pas s'arrêter. Il ne peut pas s'arrêter. Voilà, bon. Ceci étant fait.
Premier enclos. God. On revérifie bien que... Ils sont où les loups là? Eh les loups, il y a des gens qui payent pour vous voir. Eh sortez, sortez. Il est là lui. Elle. C'est Bénu. Elle est bien Bénu ou pas? Bénu. Hein. C'est bien Bénu. Optimisation. Alimentaire recouvre partiellement les besoins des animaux. Bien sûr, on lui dit que c'est bon, mais il faudrait d'autres... des jeux, optimisation. Il faudrait une autre balle pour Yinch. Bref, il leur faut une balle chacun, quoi. En gros, si je comprends bien. Un peu exigeant, hein, quand même. Hein. Alors. Mais des couchages dans la grotte. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme couchage? De la paille, quoi. Où est-ce que je peux trouver des couchages pour qu'ils puissent se poser dessus? Dans la grotte. Ils aiment bien dormir sur la pierre, les loups, non? On a une surface illimitée pour, se déplacer son zoo. Non, ton zoo, il fait cette taille-là. Mais bon, à pas se le cacher, c'est déjà pas mal. Habitat, filtre loup, nourriture, chauffage... Ah, couchage, parfait. On va faire un petit couchage de feuilles, histoire que ça ne dure pas trop avec l'extérieur. Ah, ça aplatit automatiquement du coup le couchage. Ah, je savais pas ça. J'avais oublié en tout cas. Oh, comment ils vont être bien de fou! On peut pas leur mettre une petite... J'ai fait un trou dans la grotte. Comment? Mais ça fait un puits de lumière. C'est un puits de lumière. C'est parce que sinon c'est hyper... c'est un puits de lumière, c'est voulu. Hop là, voilà, parfait. Non mais il pleut pas, ils ont un des arbres au-dessus, donc c'est bon, y'a pas de problème. S'il pleut, mais s'il pleut, ben ils se démerdent. Des loups, hein. J'ai déjà joué avant. Oui, un petit peu, ouais. On avait déjà fait une première campagne avant. Sur un autre parc. Hop, c'est sécurisé, boum. Voilà, mais comme ça, au moins, ils savent, quoi. Un puits de lumière, mais on va lui faire de l'ombre. Non, mais c'est bien. Il dit réparer, non, vaut mieux cacher. Non, mais moi, je crois vraiment à ma théorie du puits de lumière. Non, vous êtes pas... je vois que vous êtes pas convaincu par le puits de lumière. Vous êtes pas convaincu? En vrai, regardez, ils ont quand même tout... Après, ils ont toute l'autre sur... Non, mais si vous voulez, on peut imaginer qu'il y a... Non, mais ne vous inquiétez pas. De toute façon, on est un système d'évacuation d'eau de pluie par l'arrière de la grotte. Ne vous en faites pas. Grâce aux tapis qui sont absorbants, on a créé pour Zéphanie et toutes ses copines, on a créé un petit système d'évacuation. Et après, il y a tout ça qui est quand même couvert. Hein. Là, vous êtes un loup, là. POV loup. Vous êtes un loup, là. Là, vous vous levez le matin. Vous êtes en mode boum. Ouais, je me réveille. Bam, des humains. Bam, un petit jeu. Bim, bam, boum, je m'amuse. Oh, Zéphanie, elle dort. Je vais boire de l'eau. Hop, je m'amuse. Hop, 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 je grimpe au-dessus de la colline, là. Hop. Oh, un trou. Mais non, sans déconner. Heureusement que c'était indiqué. C'est mon puits de lumière. Et là, hop, tu te balades. Bam, t'as de l'eau ici. J'avais soif, super. Hop, tu gambades. Boum, bim, bam, boum. Hop, oh non, j'avais encore soif. Attendez. Excusez-moi. Ce nénuphar est en dehors de l'eau, pourquoi? C'est bon, en fait. Je m'amuse tellement. Je joue avec mes amis loups. Ouh, je suis bien ici, regardez. Je suis à l'abri, à la fraîcheur, à la fraîche. Hop là, je m'amuse, je vais voir les copains. Hop, j'amuse, je vois qu'ici il y a plein de passants, je suis en mode coucou les passants, je suis une énorme merde devant eux, je me casse, je joue un peu avec mon ballon, hop, fin de journée, boum, ici, je m'endors, terminé. Alors? Ça vous a plu? Vous êtes content? Vous êtes convaincu ou pas? Ne vous êtes pas, n'êtes-vous pas assez diverti? J'avais l'impression d'y être. Non, mais voilà. C'est bien, parfait. Aussi, voilà. Vous savez qu'on fait de l'argent. On fait de l'argent.
By the way, je dis ça. On a mis quand même, on est déjà l'année 2. On a mis 2 ans à faire notre truc. un an. Ils en pensent quoi, les gens, là? Ils ont faim, ils ont soif, éducation, impossible de distinguer un loup gris correctement, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Comment ça, impossible de voir un loup gris correctement? Poussez-vous, laissez-moi un loup gris! Poussez-vous! Poussez-vous! Poussez-vous, mais... Oh là là! Il n'y a pas ça avant. Ah, super, cette rambarde! Le loup est là! Mais comment ça, il voit pas bien le loup gris? Il est super bien, il est super visible. Il est vraiment lisible. Est-ce que, sinon, ce qu'on fait, s'ils veulent voir plus les loups gris, est-ce qu'on continue la route par là? Comme ça, ils peuvent voir un peu autour, là. Comme ça, ils peuvent voir un peu autour. De toute façon, l'idée, c'est que les loups, après, les gens fassent le tour. Pour qu'ils puissent... le but, c'est qu'ils puissent après faire en réalité le tour de l'enclos, quoi. C'est ce que je veux dire, et qu'après, en fait, ils puissent... En fait, ça fera tout le tour, et en fait, cet enclos sera un peu l'enclos de départ. Et quand ils feront tout le tour, et ben ils pourront descendre genre vers un biome, vers un autre biome. Ils pourront aller, je sais pas, vers le biome de glace, ou aller vers les singes. On fera un biome de glace par là. Ils pourront continuer tout droit pour aller faire le safari. Enfin, y a plein de choses à faire en réalité. Là, il faut leur faire à bouffer là. Là, faut qu'ils mangent. Mais de la bouffe au milieu pour que les gens les voient. Voilà. Ah, c'est la nourriture ici. Il faut le remplir. Hop là, il faut le remplir. Hop là, nickel. Comme ça, les gens verront bien. Là, peut-être qu'ils sont même peut-être un peu bas là. On va le mettre ici. Voilà. Ouais. Il faut qu'ils puissent être cassés pour. Bah, en vrai, ils ont tout ça pour se cacher s'ils veulent. Là, ils sont pas trop stressés, je pense, hein. Là ils sont cachés, en vrai ils ont un petit endroit. Ah oui, mais après tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Est-ce qu'il y a un loup mâle? Oui, il y a un loup mâle qui est Wakléa. Mais on va changer de nom tout de suite par contre. On l'appelle comment? Le loup mâle, dominateur et alpha. Je propose, je commence, Rivenzi, ça vous va ou pas? C'est validé? Oh non, arrêtez, c'est trop, c'est validé, Rivenzi. Hop. Non, en vrai vous avez pris trop de temps, enfin vous étiez trop rapide, bravo. Allez. Donc, le loup alpha, le boss de cet endroit, ce sera donc Rivenzi. Il est tellement BG en même temps. Bah, regarde-le là. Il a pas une tête d'alpha un peu là? Regarde-le, magnifique. Je suis en mode cinématique, je sais pas ce que ça rend. Regardez, il est là. Regardez, il est caché. Je me cache. Oh non, il est là, regardez. Oh non, c'est Rivenzi, c'est le mal à la fin. Regardez ce gros clébard de Rivenzi. Regardez ce petit boule là. Ok, j'ai un peu... Regardez, mais c'est exactement ce que j'ai dit. Je peux boire un petit peu, ok. Waouh. Oh la bouffe. Regarde, il va même manger, regarde. Cette petite viande, c'est à cacher là. Bon, il se met bien. Bonjour, mademoiselle, quel serait votre doux nom? Bénu? Bénu, c'est ton prénom ou c'est un surnom? J'ai du mal à comprendre. Bénu? D'accord. Enchanté, enchanté, Bénu, enchanté. Là-dessus la clôture. Il faudrait un mécanicien. Entretien.
Soigneur, il faut comment ça fait créer une zone de travail? Oui, c'est ça. Voilà, hop. Zone de travail 1. Enclos des loups. On va appeler ça l'enclos des loups. Enclos des loups. Merde. Ok. On va supprimer celle-là. On va mettre. Hop, hop. Très bien, donc là on les a assignés à la zone de travail. Il faudrait un mécanicien également. Enfin, un gars pour faire l'entretien, du coup. Dans notre zoo ici, il nous faut quelqu'un d'autre. Il nous faut un. Personnel. Mécanicien, c'est ça. Il faut une salle du personnel dans la zone de travail. Ah oui, attendez. Alors, attendez. Alors, zone de travail. Donc, les zones de travail, c'est ce qui permet en gros de, d'assigner les gens à des tâches et un peu optimiser. Si on le fait dès le début, c'est mieux. C'est pas grave, je crois, mais c'est quand même bien si on commence à le faire direct. Donc, zone de travail. Alors, attendez. Zone de travail. Là, je peux la modifier. Et donc, par exemple, je peux rajouter ça quoi, dans la zone de travail. Voilà. C'est au début, on la changera plus tard. Mais voilà. Parfait. Bénu est gestante. Mais non. Qu'est-ce qui se passe? Mais non. Elle est où, Bénu? Bénu. Bénu, Bénu, t'es où? Elle est où? Comment est-ce qu'on sait? Bénu, t'es où? Mais non. Elle est en gestation. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, non, ne va pas dans l'eau. On voit pas un loup, mais si, mais ils sont là, calmez-vous. Après, plus il y en aura, mieux ce sera. Oh là là, est-ce que ce serait pas grâce à Rivenzi? On l'avait vu, hein. On a vu leur début de... Le début de leur amour. Le début de cette rencontre. Elle s'est fait ici, autour du bac à viande. On était les premiers, en avant-première. Il a conclu, le petit coquin, Rivenzi. Bah 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 bah. Ça s'est fait là, on était là à ce moment-là. C'est ça, la beauté de Twitch, c'est qu'il y a des moments rares. Magnifique dans le cycle de la vie qui ne peuvent être vécus que sur cette plateforme et que sur cette chaîne. C'est ça qui est exceptionnel, bravo. Bravo. Elle a vu mon bac à viande et elle a dit donc toi le mal de cette contrée. Et là Rivenzi a dit c'est moi Bénu. C'est moi le mal alpha. Et là c'est parti quoi. Bravo. Super. Eh ben c'est top. Bon, alors, ne nous attardons pas sur nos réussites, il faut déjà penser à nos futurs projets. Donc, il faut, dans les services, il faut qu'on réfléchisse à un petit... au service visiteur. Donc, ce qu'il faudrait, c'est un petit... voilà. Ouais, ouais. Une petite boutique. Une petite double boutique, là. Boum. Hop, comme ça. Est-ce qu'on peut les aligner sur... Excusez-moi. Hop. 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 On va juste... Merveilleux. Donc, à ceci, nous ajoutons... un bloc de... Chief Beef. On peut juste faire des comptoirs maintenant? Mais non. Ah ouais, on peut juste faire des comptoirs maintenant. C'est marrant, ça.
Bah, je l'ignorais, sachez que je l'ignorais. Très bien. Du coup, tu peux vraiment plus personnaliser encore, quoi. Je peux pas le poser. Oh, une obstruction, chiant. Ah, parce qu'il est trop proche. Terrible. Hop, et là, si je fais ça. Ok. Il me faut. C'est vrai que les routes dans ce jeu, c'est toujours un peu le problème. Ok. Ok, un peu relou. Ok, et si je veux par exemple... Ok. Ah, c'est marrant quand même, hein. Un peu casse-pied. Il vaut mieux placer les boutiques avant. Ouais, ouais, je vois l'idée, je vois l'idée. Je sais que là, c'est le max. Et là, si je veux une Looney Boon, c'est ici. Comme ça, après, je pose ça. Et ça, après, c'est en mode Zephry, quoi. C'est Looney Boons, non, c'est pas ça que j'aurais dû poser. Looney Boons, c'est des ballons. Et nous, on veut de la plus de la... Voilà, un gulpy soda. Ah, attendez. Pas simple, hein, des fois, de poser les boutiques. Hein. C'est ça qui est un peu délicat. Merveilleux. Parfait. C'est un vendeur du coup. Hop, parce que lui du coup il sert plus à rien. Ok, très bien. Donc, à ces services, on peut y ajouter un peu de déco. Est-ce qu'on a un petit truc banderole ou quoi? Construction. Mais elle est où la déco après? Ah. Bonjour, yes, Manette Coaster. On fait pas du Red Dead. On fera la semaine prochaine du Red Dead Redemption. Allez. Des poubelles. Il faudra des poubelles et tout. Juste, où est-ce qu'on peut rajouter un... Ah, c'est dans le plan. Construction. Enseigne, c'est ça. Le temps que ça revienne et tout, des fois, ça peut mettre un peu de temps. Enseigne indépendante. Tac, tac, tac. Donc là, c'est un burger machin, je crois. Avant, il y avait des trucs de burger directement qui étaient liés aux chaînes. Oh. Habile. Mmh. Ah oui, j'ai haut décrit pour ça. Merci beaucoup. J'avais pas vu. Kilobyte. Un petit gulpy là. Voilà. Ok. Et ensuite, on a un truc de burger. On est des Américains. On aime bien le petit. Ok.
C'est Chief machin là. Chief beef. Voilà, histoire que ce soit propre. Let's go. Parfait. Ça, les gens s'ils veulent. Maintenant, il faut des poubelles, vous avez raison, vous l'avez dit tout à l'heure. Poubelle. Poubelle, poubelle. Est-ce que c'est là-dedans? C'est là-dedans. Poubelle recyclage. Hop là, nickel. Et là, on met des poubelles aussi ici. On va plutôt les mettre là, d'ailleurs. Hop là. Bon, maintenant, on espère que ça va nous rapporter de la thune, quoi. Et des bancs. Ah oui, il faut des bancs aussi. Mais on a déjà des bancs. On a déjà des bancs, là. Mais trucs de pique-nique. Pourquoi c'est pas carré? Parce que la route fait que... Terrible. Le carré n'est pas carré. Oh non! Dans ma chair. Au secours, pourquoi c'est pas carré? Terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que ça va bugger du coup. Non, relou de fou. Bon, c'est pas grave. C'est quoi, on va plutôt faire ça comme ça parce que sinon ça va être trop casse-pied à faire. C'est pas grave, c'est pas un drame. Comme ça, c'est joli aussi. C'est joli aussi, c'est joli aussi. Ce qu'on peut faire, c'est aussi... Ouais, faire des toilettes et tout machin. Là, il faut passer un peu en mode service. Qu'est-ce que les gens auraient besoin? Banc, est-ce qu'ils ont besoin... Est-ce qu'on banc on a ou pas? On a un banc ici à faire. Hein. Banc ici. Banc. On fait, on met un endroit pour que les gens puissent pique-niquer ici. C'est pas le plus pratique dans l'entrée, je suis d'accord, mais pour l'instant on a que ça. On fera pour l'instant. Pour l'instant on reste là-dessus. Toilette. Toilette, toilette, toilette. Toilette, voilà, parfait. On peut direct le faire comme ça plutôt, voilà. Mais c'est double toilette? Non, c'est qu'une toilette, ça. Voilà. Maintenant, on peut... Ce qu'on peut faire, c'est ça. Le truc, c'est que... Ah. Pas juste aligné sur gris comme ça, quoi. Ah, intéressant. Peut-être qu'on va plutôt la mettre comme ça, alors. Genre plus collé derrière, comme ça. Voilà. Comme ça, on fait un truc un peu groupé, comme ça. Ben voilà. Voilà, je joue en moyen. Voilà. Bon, du coup, on a fait ça pour l'instant sur notre première scène. C'est pas mal, en vrai. Hein. Je suis assez content de nous, bravo. On peut tous se serrer la main comme ça. On se serre la main comme ça, tous. Bravo. 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 Le chemin appelle à connecter. Si, si, il est normalement.
Il est pas connecté? Non. Me voilà pris d'un doute. Si, si, c'est bon. Tellement bien fait. Et bah voilà. On va laisser un peu tourner le parc, histoire que ça, l'argent rentre un petit peu. C'est bon, regardez. C'est bon, les gens peuvent aller dedans. Si, ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'être bon. C'est marrant parce que c'est vrai qu'on a la... Hop, du coup on reste un peu comme ça. Ok, trop bien. Donc, maintenant on va utiliser le système de comment est-ce qu'on fait de l'argent facilement après. On va faire un petit... est-ce qu'on ferait pas un truc... Je réfléchis un peu, hein. Je réfléchis un peu à haute voix. Pour un peu rendre ça plus joli. Mais ça c'est de la déco et en vrai... Oh, comment ça? Un loup est né, comment ça? Mais non. Regardez ces deux petits jumeaux! Quoi? C'est des triplés? What the fuck? Qu'est-ce que c'est? Oh no way! Regardez, c'est nos petits! Oh no! Oh, ils sont nés, regardez! Incroyable! C'est les petits de Bennu et de Rivenzi! Oh! Coco! Trop mignon! Comment est-ce qu'on l'appelle ce petit mâle là? Comment est-ce qu'on l'appelle? Comment est-ce qu'on lui donne un petit nom? Rivenzi Junior? Non, vous abusez! Non, ça peut pas être Rivenzi Junior encore! Non, non, non! Non, vous abusez! C'est trop! Arrêtez! Non, c'est trop! Non, vous abusez de fou! Et le petit, comment est-ce qu'on l'appelle celui-là? Oh, c'est Tevin! C'est Tevin! Comment est-ce qu'on l'appelle? On l'appelle comment? Twitch Prime? Allez, oh non! Ah, il faudra appeler Twitch Prime plus souvent alors. Un Twitch Prime. On peut l'appeler Twitch Prime? Allez. Oh non, ce serait abusé. Il faudrait l'appeler Twitch Prime à chaque fois. Twitch Prime, où es-tu? C'est abusé. Rivenzi Junior. Junior. Du coup, il faut plus d'optimisation du truc. Oh, sub T3. Il est où sub T3? Ambre. Oh, c'est Ambre. Oh non, je propose qu'on garde Ambre. C'est trop marrant. Un loup qui s'appelle Ambre, c'est trop marrant. Un loup qui fait du violon et qui adore et qui pense avoir raté son contrôle de mathématiques à chaque fois, c'est trop marrant. Oh non, Ambre, non, j'ai encore raté mon contrôle de maths. Non, non, c'est trop. Non, c'est trop. Fais des recherches sur tes loups. Comment est-ce qu'on fait des recherches sur mes loups? On va aller dans le centre de recherche. On va dans le centre de recherche. Hop, tac. C'est là, centre de recherche. Faut qu'on fasse des recherches. Alors, Zo. Recherche vétérinaire. Loup gris. Hop. Nickel. Optimisation ludique. Bonus éducation. Anecdote. Ok. Let's go. C'est lancé. On va juste recruter un nouveau... pour l'instant, on garde un. Charge de travail. Charge de travail élevée. C'est un soigneur. Peut-être qu'il faudrait un autre soigneur alors pour l'aider. Maintenant qu'il y a des petits en plus. Hop. Lui. On va... Lui, on va le former. Et lui, Elvin, on va lui donner une zone de travail. Comment ça, il n'y a plus de zone de travail? Attendez. Excusez-moi, mais j'avais cru qu'on crée des zones de travail. Zone des loups de la street. Voilà. Hop là. Comme ça, on sait qu'il y a aussi un peu les... Hop là, nickel. Pas de zone de travail. Zone des loups de la street. 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 Hop. Zone des loups de la street. Parfait. On est bien. Tout le monde bosse.
On est bien. Les recherches sur les loups, c'est parti. On peut pas lancer. Ah, j'ai pas lancé encore. Les loups de Wall Street. On aurait pu les appeler comme ça. C'est vrai, vous avez raison. J'attends que le vétérinaire arrive. Ah, c'est ça. Merci beaucoup. Fallait que je glisse le vétérinaire là-dessus, c'est my bad. Excusez-moi. Oh, regardez les petits louveteaux, ils sont trop beaux. Trop pipou. Trop pipou. Moi aussi, je veux être un loup. Oh, tu vas dormir, tu vas faire quoi, toi, là, Junior? Piquer filtre. Il y a quelqu'un qui a dit dans le chat. Quelle qualité les louveteaux. Le mec est tellement pragmatique. Bah écoute, je regarde le level tout de suite. Oh, herbe courte, ça. Il y a trop d'herbe courte. Aïe aïe aïe, attention. Quelle qualité les louveteaux en termes de level pur. Est-ce que tu vas leur apprendre quoi comme attaque, tu penses? Tu penses que tu vas leur faire attaque morsure? Je pense que tu devrais leur apprendre attaque morsure, à mon avis, en vrai. Ce serait hyper opti pour aller attaquer les donjons, etc. et pour gagner la Ligue Pokémon à la fin. Ils sont platine ou gold, les louveteaux, là, en vrai? Attendez, je regarde. Hein. En termes de level, ils sont comment, là? Attrait de l'animal. Bah, je crois que c'est ok, quoi, non? Je sais pas. Il est jeune, quoi. Qu'est-ce que tu fais à ta sœur? Evans Junior, voyons. Qu'est-ce que tu fais à Twitch Prime? Oh non, merci beaucoup, Casio, d'ailleurs, qui vient de lâcher un Twitch Prime. Merci beaucoup. Oh, regardez. C'est le louveteau Twitch Prime. Oh. Ah, c'est son frère, d'ailleurs. Regardez, c'est un Twitch Prime. Montrez la génétique STP. Bah, j'arrive. Où est-ce qu'on voit la génétique? Ah, c'est là, non? C'est là. Il a une taille pas ouf. Lui, il est comment, lui, en termes de gène pur? Ah, longévité 50% pour Evenzy Junior. Aïe, aïe, aïe. Et elle, fertilité, immunité. Après, c'est des louveteaux encore, quoi, donc bon. Lui, il a l'air pas mal. C'est Twitch Prime qui a l'air d'être le mieux. En termes de... C'est pas mal, lui. Merci beaucoup Flo, merci pour le Prime avec le 9e mois d'abonnement, merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous avez Twitch Prime, si le live vous plaît, si vous avez un Prime qui dort, n'hésitez pas à le claquer. Faut pas laisser dormir les Primes, c'est important. On laisse dormir un Prime, après le monde va mal. Donc que pensent les gens? Éducation, les gens sont contents. Ce zoo mériterait d'être développé un peu. Bah oui, mais bon, le temps, madame, s'il vous plaît. Andrei Vorlet, désolé. Faut claquer ceux qui dorment. J'aimerais bien devenir Twitch Prime. Merci beaucoup, Hiro. Merci pour le Prime. Merci beaucoup. J'ai mis des boîtes à dons. Oui, j'ai mis des boîtes à dons. J'en ai mis deux. Est-ce que je devrais en mettre plus? Pas forceur du tout. Les groupes sont plus là. Hop là, voilà. J'en ai mis un peu plus. Il y a plus de boîtes à dons que de boîtes que d'écran d'infos. En tout cas, maintenant, ils voient bien les loups, quoi. Merci beaucoup, Chonchon. Merci pour le 8e mois d'abonnement. Ok, Joby, je claque mon prime ici. Merci beaucoup, c'est très gentil. Claquez vos primes, regardez. Claquez vos primes dans la boîte à dons. En fait, c'est ici que vous pouvez claquer vos primes. Juste dans la boîte à dons, ici. Vous aussi, vous pouvez soutenir le Rivenzo Park. Le parc Rivenzo. Dans votre boîte à dons, vous pouvez claquer vos primes dedans. Vous voyez ce que font les gens, là. C'est super, hein, bravo. Bravo, messieurs, dames. N'hésitez pas.
Tu peux appeler ton loup boîte à dons. Non, je vais appeler par contre ma boîte à dons Twitch Prime. Hop là. Bruit Henri Junior, casse les couilles. Mais le parc est hyper sain pour l'instant, il y a un bel enclos et autour bah, on a mis quelques petits shops et tout, pour l'instant il est bien. Pour l'instant le parc a très bien commencé. Maintenant, il va falloir développer des trucs mais qui vont nous coûter un peu moins cher mais qui vont permettre aux gens de venir. Et pour ça évidemment, il y a le mot magique appelé Vivarium. Le Vivarium évidemment qui nous permet d'avoir des trucs pour moins cher, mais quand même c'est sympa. Donc, le Vivarium. Hop, tac. Est-ce que Vivarium... c'est dans quoi qu'on récupère un Vivarium? Service. Ça doit être dans service, peut-être. Le Revivarium. Vivarium. Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. I want you in my room. Na, 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 forever. Na, boum, boum, boum. Mais où va-t-on foutre les premiers vivariums? Je vous le demande, messieurs, dames, je vous le demande. En fait, si je le mets là, ça m'embête un peu dans le sens où... dans le sens où... ça manquerait de symétrie. Ce serait, ce serait bizarre d'avoir deux shops ici et d'avoir un vivarium à côté. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça me mettrait dans une... ça me mettrait dans une bien drôle de posture. Donc... donc en fait, j'aime pas trop le côté un peu asymétrique. J'aimerais bien qu'après, il y ait peut-être des boutiques souvenirs et d'autres shops vraiment dans cet endroit. Donc il faut une autre zone vivarium. Juste par là, là. Non, vous voyez pas ce que je veux dire? Ou non, vous êtes d'accord avec moi, il faut pas qu'il y ait de... mais c'est marrant que ça fasse ça. C'est toujours, de toute façon, c'est le problème dans ce jeu, c'est les routes. De toute façon... on est bien d'accord là-dessus. Et donc, je suis ici, je fais service vivarium. Ok. Donc, service vivarium, nature, service, ici, voilà. Il faut pas perdre trop d'espace non plus, quoi. Il va nous mettre un peu dans la sauce en termes de thunes, hein, ce vivarium, quand j'y pense. Il coûte quand même 7000, quoi. On peut mettre un vivarium. Donc on va déjà en mettre un ici. Le long, comme ça. Hop. Et l'idée, ça va être de, après, faire... ah mais c'est toujours horrible à chaque fois de... toujours un peu improbable comment ça fait ça. Hein. Au milieu de la place des shops. Ah c'est pas une mauvaise idée ça tiens. Au milieu de la place des shops, vous avez raison. Si je fais un petit trou. Peut-être que si je... plutôt de faire ça... par exemple, et qu'on prend ça, on le déplace et qu'on le met là.
Merde. Merde. C'est une très très bonne idée sur la place des shops. C'est pour trouver une symétrie, c'est un peu difficile. Pas mal. Pas mal en vrai, c'est une sorte de premier accueil, etc. Je loue ici, ça fait guichet d'entrée. Moi, je pense que ça fait un peu quand même mise en bouche. Moi, je trouve que ça fait un peu mise en bouche quand même, je trouve ça cool. Après, ça bouche un peu l'entrée quand même. Hein. Non mais on va commencer comme ça. De toute façon on n'a pas mis l'option, on n'a pas tant que ça d'argent, je le rappelle. Donc du coup c'est la meilleure option qu'on ait pour l'instant je pense. Donc en vrai restons là-dessus pour l'instant. Et après on avisera si on veut faire un plus grand espace vivarium. Alors, on est obligé de penser à l'économie messieurs dames, hein. Je suis désolé. Hein. Allez pousse-toi Kevin. Kevin il va se péter la gueule juste après là. Hop et du coup dans ce vivarium. Voir le marché des animaux de vivarium. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se prendre pour rester dans un thème un peu Europe? Tac, est-ce qu'on peut gérer un filtre par... Des ours dans un vivarium, pourquoi pas? Tortue diamant, non. Anaconda jaune. Scarabée Goliath. Marrant. En plus, il est en très bonne santé, le scarabée Goliath. Alors, attendez. Je connais pas du tout le scarabée Goliath. Zoopédie. Qu'est-ce que ça dit, le scarabée Goliath? Ça vient d'Afrique, très bien. 23 à 36 degrés, 40 à 60% d'humidité. Ça a besoin de vivre à combien? De 1 à 8? Ok. On peut s'en mettre deux des scarabées Goliath. Ça coûte pas très cher. Et après, on peut mettre des tortues diamant, si vous voulez. Tortue diamant. Hop. Tortue diamant, alors. Zoopédie de la tortue diamant. Dites-moi en plus. T'as besoin de vivre à combien, ça? De taille du groupe. On peut s'en prendre deux. Voilà. Parfait. Donc, on peut... demander l'animal... Voilà. Parfait. Et donc là, on va pouvoir mettre des petites... des petits trucs. Du coup, nature, ici... des fleurs, on va mettre des fleurs, on va mettre des fleurs ici. Je vous ai compris. Alors attendez. Je vais mettre des petites fleurs et tout là. Ça habille un peu parce qu'on n'est pas quand même pas des sauvages. Est-ce que dans construction on peut... Imaginez quelque chose comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce qu'on peut... Je réfléchis à des choses. Hein. Aligner la surface, non. Ok. Non, c'est trop grand. Pas juste avoir un...
J'ai une plante qui pourrait aller en haut là, pour compléter notre... Des torches. Du feu, ça paraît bizarre quand même, hein. C'est un peu agressif. Du feu quand vous entrez, du feu. Du feu, de l'agression. Virilité. Oh, que c'est moche. Palmier Wish, un peu, ouais. Sinon, est-ce qu'on peut tenter quelque chose d'autre avec construction, effets spéciaux? Quelque chose dans les effets spéciaux qui peuvent nous... Pas des flammes, mais... Un petit côté zen un peu, j'aime bien. Dommage, ça partait si bien ce zoo. Vous abusez tellement. Une énorme chicha. Une énorme chicha. Non, je suis pas convaincu, j'avoue. Bon, on aura tenté, c'est pas grave. Mais il faut tenter, on trouve pas tout bien. J'aime pas trop, j'avoue. Je suis pas convaincu, là. Qu'est-ce qui se passe, Zo? Votre zone n'a pas d'agent de sécurité. Il faudra un agent de sécurité. Trésor Ribas, là, oui, j'imagine, j'imagine. Oh, le flexeur. Ok. Ils sont où les scarabées? Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Je pense que c'est en cours d'acheminement. Non? Oui? Ah, c'est bon. Ils sont là. Ah, voilà. Merveilleux. En vrai, c'est pas mal. En fait, c'est moins agressif que ce que je pensais parce que vu qu'il est très ouvert, le vivarium, c'est pas déconnant. Installation. Température un peu plus haut. Installation, optimisation niveau 1. Faut que je fasse des recherches, j'imagine. Pour améliorer le tout. Hop. 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 Voilà. Bon, le bilan financier, pour l'instant, on est... on gagne de la thune. On gagne de la thune pour l'instant, dépenses d'exploitation, les achats, la trésorerie. Bénéfices totaux, 1296. Ils sont où du coup les... Les scarabées? Où sont nos Pokémon? Oh putain, il est là! Il est là! La boîte à dons, Rivenzy! Oui, c'est vrai, la boîte à dons, pardon. On arrive, Boîte à dons, on arrive. Je me suis fait hurler dessus. Boîte à dons! Boîte à dons. Boîte à dons. Il n'y a pas de boîte à dons? Attendez, c'est où?
Don. Ça doit être don, je pense. Don. Il devait y avoir un accent sur boîte. Exactement. Et n'hésitez surtout pas, bien sûr. N'hésitez surtout pas à donner de la moula, bien sûr. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Un par côté, non mais comme ça au moins, c'est sûr. Le soigneur ne peut pas atteindre... Le ne peut pas atteindre probablement à cause d'une configuration de zone de travail. Ah oui. Il faut que j'ajoute dans la zone de travail, celle-ci. Zone de travail. Excusez-moi, recherche vétérinaire, personnel, zone de travail. Boum. Et là, on fait. Zone de travail. On fait modifier la zone de travail. Ok. Récupère la récompense. Ah! Bénéfice de nourriture. Parfait, on a fait la mission. C'est parfait. Nombre de visiteurs. Il faut attendre les 300 visiteurs. C'est quoi le mood des visiteurs, là? On a un truc qui les résume un peu. Ils trouvent juste que l'éducation, c'est zéro, quoi. C'est un peu le gros problème, c'est que notre éducation est vraiment nulle. Trésor Ribas. Bah ouais, bah... Ah, recherche vétérinaire. Bonne éducation plus 50%. Ouais, je sais, après j'aime bien garder mon temps aussi, hein. J'aime bien prendre mon temps et tout pour construire les choses, j'aime pas quand ça va trop vite. Habitat, optimisation. De service, ça rapporte un max de service, c'est-à-dire. Ah, tu veux dire des. Oui, tu veux dire des boutiques, quoi. Des boutiques. Après, ça coûte aussi en personnel, quoi. Faire attention. Faut faire attention. On a Looney Boons ici. Le pissoda, je vois qu'il y en a beaucoup aussi à chaque fois. Ça veut... Ah. Monument vertical, non. Voilà, hop, Gloppy Soda, du coup. J'ai vu qu'il y en avait des deux côtés. Ouais, mais du coup, au moins, il y en a toujours un d'ouvert. Ça roule, quoi. Elle est comment, elle sent comment, notre employé? Il demande de la bouffe aussi, quoi. Ouais, 2000. Ah, mais putain, mais oui, je suis trop bête. Ouf, l'argent. Ça va remonter. Il faut savoir investir. No stress. Ça va remonter, ne vous en faites pas. Mais oui, ça remonte, je vous ai dit. Ne vous en faites pas. Vous paniquez toujours. Mais tout va bien. Là, tout marche à plein régime, bien sûr. On en a un petit peu de sous, mais c'est bon, ça va le faire. Ne vous en faites pas. À peine le SMIC. Allez, on va y arriver. On dirait moi quand j'en mets finance trop de boutiques à AMDR. Non, mais ça va le faire. Trop de boutiques, mais on gagne de la thune.
Pas trop de boutiques, il y a tellement de gens. En fait, il y a tellement de gens, c'est ça le truc en fait. On monte dans le positif. On monte le prix des billets. On pourrait, c'est vrai. Adulte, on pourrait passer à 5$. 6$. En fait, faut voir si les gens rentrent ou pas, quoi. Les gens rentrent. Est-ce qu'à 7$, ils rentrent toujours? Est-ce qu'ils se retournent ou pas? Non, 7$, ils rentrent pas. À 6$, par contre. 6$, ils rentrent. À 6$, ils rentrent. Pas tous. 5$ alors, ça sera bien 5$. 5$, ça va le faire. Quantité de détritus élevé. Ah! Alors attendez, plus de détritus élevé, ça veut dire qu'il nous faut un. Il nous faut des gens pour laver, donc il nous faut des agents d'entretien. Oh non. Hop là. Il va y avoir du boulot l'agent d'entretien là. Ah, ils ont eu des petits. Mais non. Zophanie. Oh, Zophanie. Hein. Alimentation. Optimisation alimentaire. Ils sont encore tout petits, Rivenzy Junior. Twitch Prime. Il y a eu d'autres petits du coup? C'est les scarabées. Ah, c'est les scarabées, pardon. Mais comment vous savez, vous êtes si fort? Sociabilité, alors attendez. Hop. Groupe trop grand, mais non. Ils sont combien là-dedans? Ils sont combien dedans? Ils ont. Oh putain! Oh la vache! Ils sont 26 de. Mais what the fuck? Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, OMG, OMG, faut vendre. Oh là là, il faut les vendre. Oh là là, ils sont 26, oh le bordel. oh là là, on a raté une petite info. Oh là là, ah oui, effectivement, oui, il faut en vendre, oui, ça me semble être nécessaire. Attendez, comment est-ce qu'on va faire pour tous les vendre? Ah ouais, tu m'étonnes qu'ils sont trop. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah ouais, ils sont trop. Ah, tu peux en vendre par dizaines, quoi. C'est... Oh la vache. Mais c'est impressionnant la vitesse à laquelle ça se reproduit, ces machins là, c'est... Ok. Du coup c'est nos animaux en attente, mais du coup on en a plein non, parce que c'est... Il y en a qui sont trop bien... Échange rapide. Au moins, ça fait de la thune. En vrai, ça fait de l'argent. Hein. Regardez, si je fais échange rapide, ça me fait 6000$. Il y en a qui sont shiny, quoi. Ça, il y en a qui sont shiny. Garde les bons. Hop, tac, tac. Attendez, je vais... J'en ai tellement que... On va faire un business d'escarabée, hein, je vous le dis. On va dealer dans le monde entier d'escarabée. Dans le monde entier! Ah ouais, punaise, on va garder les shiny, on va les renvoyer dans le Viarium. On va garder les goldés. Et les autres, on va aller en échange rapide. Ah ouais, mais du coup, c'est eux qui rapportent le plus, quoi. Évidemment, évidemment, évidemment. Ok. Et eux, on les garde. Et eux, qu'est-ce que ça fait si je les... Centre d'échange. Du coup, on a que des cracks, quoi.
On va garder du coup L. Hop, on va garder. Ah mais du coup on peut pas. Donc elle est bien, la première elle est bien. Le... Les deux, en fait nous, on va prendre les deux qui sont bien là. Et on va en prendre deux, ok on va prendre ça, ça, celle-là, celle-là. Ok. Et les autres on va les vendre. On va aller en échange rapide, hop. Ah ouais, ça se fait des petits directs, quoi. Bon, nickel. Ok. Go, nouvel enclos. On va faire un nouvel enclos, ouais, vous avez raison. On va se faire un nouvel enclos. Par contre, on a moins de monde, là. Parquet. On a moins de monde, là. Il y a beaucoup de gens qui refusent d'y aller, au final, à cause du prix. Le prix est raisonnable. Je suis d'accord, hein, il est raisonnable. Hein. Il faudrait qu'on atteigne 10 000 pour pouvoir faire un nouvel enclos, je pense, histoire d'être bien. Le bien-être des scarabées s'est amélioré, c'est une très bonne question. Oui, ça va mieux. Enfin, c'était clairement le prix, quoi, qui était un peu... Enfin, c'est le nombre qu'ils étaient, quoi. Les poubelles, il faudra mettre plus de poubelles. Les poubelles, on en a, mais... On peut en mettre un peu plus. Il est où notre man, notre gars qui fait le ménage là? Où es-tu Mikey? Charge de travail, ils sont comment? Énergie. Salle du personnel ayant. Ah, il faut changer la place de salle du personnel. Salle du personnel. On va supprimer celle-ci. On va me prendre une grande salle du personnel. Du coup, service. 6 000 $, eh B. Eh bah, trop bien d'avoir. Trop bien. Eh bah, trop heureux d'avoir économisé, d'avoir vendu des trucs. Et bon, c'est bien pour le perso, quoi. C'est bien. Tous nos projets sont niqués. À cause de la salle du personnel, putain, ça dégoûte. Ça dégoûte! La trésorerie basse, mais je sais bien. Oh là là, s'il vous plaît. Dépenses d'exploitation 7 000, revenus 6 000. Vente de billets, revenus de boutique, don 3. C'est quand même le don qui nous met les mieux. Hein. C'est le mieux, c'est quand même un truc de fou. La vente de billets 5 $, ouais, on est en train de. Comment ça évolue là? Ça augmente ou ça stabilise? C'est assez incroyablement stable, ça monte très peu quoi. Je pense qu'on a une boutique en trop, à mon avis. Pas du verium sont éteints. Oh, c'est une très belle remarque, bravo. Hop. Très belle remarque, merci beaucoup. Sinon, il serait resté éteint un bon moment. Pas sûr qu'on manque de... Enfin... Juste qu'on voit où est notre poste de dépense. Ah, attendez. Ah, c'est la comptabilité, hein. C'est la comptabilité, la compta. Alors, salaire des employés, nourriture des animaux. 3 000, 4 000 quasiment la nourriture. La... Oh là là. Oh là là, ça mange, hein, les loups. Mais c'est que ça mange, les loups, hein, punaise. J'ai l'impression que ton nettoyeur ne vide pas les poubelles. Bah il devrait pourtant, The Boog. C'est dans la zone de travail pour le coup.
Ça devrait parce que, attends, je regarde. Recherche. Ah, parfait. Sur les loups gris, ça s'améliore. Sur les scarabées aussi, on devrait. Et là, du coup, on, quoi, on a anecdote, déblocage de nourriture, optimisation alimentaire, optimisation ludique. Bah, c'est bien, on a bien avancé là. Éducation, c'est pas l'éducation, mais l'éducation, c'est peut-être mieux, non? L'éducation augmente grâce à l'information des panneaux, haut-parleurs et audio-guides disponibles dans les points d'information. Est-ce qu'on mettrait pas un audio-guide à un moment donné? La grotte inondée. La grotte inondée, quoi. Faisons un agent d'entretien en plus. Peut-être qu'on va prendre un agent d'entretien en plus, ouais. Je pense, agent d'entretien. Hop. On va pouvoir nettoyer, vider, nettoyer, vider. Ok, on va pouvoir laver des trucs. Bon, il va falloir qu'on fasse un nouvel enclos. Et des haut-parleurs éducatifs. Mais moi, j'ai déjà les haut-parleurs éducatifs, je les ai mis. Faut que j'en mette plus. Oh, je suis un connard parce qu'ils doivent pas fonctionner parce qu'il n'y a pas d'électricité. Doivent fonctionner quand même, non? Ça stresse les animaux si j'augmente trop la portée. Vu que ça les impacte quand même le moins possible. Qui fonctionne? Il y a L214 qui est arrivé, l'inspectrice du zoo. Ok, elle met 4 étoiles au... Ok, elle m'a mis une bonne note quand même. Oh, les carabégoliens n'ont pas assez de place, comment ça? Ils ont plus de place, les scarabégoliens? Ils sont combien, là? Oh non, me dis pas qu'ils ont encore fait des millions. Et 14 animaux, non mais la dinguerie, mais ça ne s'arrête jamais. Ils sont 14 encore. JPP. Ils ont fait que des... Ils ont fait que des... Presque que des meufs. Ah, calmons-nous. Ah ouais, c'est... Ah mais c'est la vente du scarabée, c'est notre marché. C'est le marché pour nous. 0,3 ans, 0,7 ans. On va les garder eux. Hein. Eux, on va les renvoyer envoyer dans le zoo. Hop. Hop, voilà. Nickel. Et les autres, bah, on va les vendre. Hein. Au marché noir, des scarabées. Voilà, parfait. Vente au marché noir des scarabées. Il y avait que des girls. Que des girls. Putain, le chief beef il est quand même bien rempli mine de rien. Est-ce qu'on peut augmenter un peu le prix des trucs là? On peut mettre à genre 13$. Burger du chef, on va le mettre à 9$. 1$ de plus. Là, il y a de la... Les gens, ils veulent manger. Inspectrice... Alors, éducation, 0. Elle nous a mis vraiment une mauvaise note. Hein. Rapport de l'inspection. Propreté, nickel. Éducation, nulle. Putain, elle nous a mis 0.
Dommage que Chief Beef grouille de monde. Il faudrait un deuxième Chief Beef en fait. Hein. C'est l'éducation, je sais pas comment régler le problème de l'éducation. J'ai un gros problème avec ça. Comment est-ce qu'on peut régler ce souci d'éducation? Ils arrivent pas à apprendre des trucs. Yo Tarte au miel, comment ça va? Point d'information, ok, bah il faut un point d'info alors. J'ai un problème d'éducation, j'ai un gros problème d'éducation. Très con. Il faut un point d'info quoi. Écoutez, on va tenter avec un point d'info. Hop. On va mettre à l'entrée ici. Allez, venez, le point d'info, là. On va avoir besoin de ça. Engager un formateur. Mettre plus de panneaux aussi. Hop là, voilà. Est-ce que je mets d'autres panneaux sur... Formateur sur point de présentation plus gradin. Attendez, présentateur, si je veux trouver un présentateur. Enceinte éducative, on va tenter des trucs. Enceinte éducative, alors hop. Passion 0%, oh là là. Alors attendez, on va tenter de mettre d'autres choses. Service, panneau et information, attendez. Panneau d'info. On peut mettre des trucs sur... oui, voilà. Regarde, on peut mettre des petits panneaux ici. Hop. Juste à côté des toilettes. C'est quand les potes, quand les gens attendent leurs copains aux toilettes. Ça, c'est relou, vous attendez tout le temps vos potes. Enfin, pareil, contenu éducatif. Déclin, déforestation, des restaurations écologiques, voilà. Hop, parfait. Hop, bah pareil, là de l'autre côté, on met un autre truc sur autre chose. Boum. On peut changer, on peut mettre sur... Image template. Sur les pangolins, voilà, le pangolin, c'est parfait. Sur le réchauffement climatique, voilà. Boum. Voilà, c'est... Nickel. Comme ça, ils auront des petits panneaux un peu là. Dès l'entrée, qu'est-ce qui se passe ici? Haut-parleur. Il y a l'audio aussi. Ah, il y a l'audio aussi? Ok. Mais c'est bien. La visite guidée. Alors, la visite guidée, il faut juste que vous me réexpliquiez. La visite guidée, il faut juste qu'on trouve... C'est où la visite guidée? Alors, il faut que j'évite les chevauchements de haut-parleurs. Alors, attendez. Voilà. Hop,
Hop là. Merci beaucoup Epsiridani, merci beaucoup pour le 14e mois d'abonnement, ça fait longtemps mais ne devrait correspondre plus trop. Ouais, ça arrive, c'est t'inquiète, y a pas de souci. Il faut placer un centre d'information pour avoir les audio guides. Un plan d'info, il est là. Plan d'info, il est là. Parapluie jaune, parapluie rouge, pack d'adoption économique, audio guide. Audio guide, c'est bon. C'est pas mieux de mettre des haut-parleurs au milieu du chemin, histoire d'opti. On peut essayer. On peut voir ce que ça donne. Alors, mets là déjà. Éducation, ça peut prendre un peu de temps peut-être aussi à remonter. Hein. Pour l'instant, c'est pas fou. Ouf. Qu'est-ce qu'on peut... Ah zut. Ils sont sous terre, c'est pas ouf. Loup gris, on peut tester autre chose. On peut tester de leur faire faire des choses sur... Ok, celui-là, hop. Voilà, comme ça on pourra dire des trucs. Là ils servent pas. Ok, ils sont trop loin de l'enclos, c'est ça? Hop là, donc là je peux prendre un formateur, c'est ça? Hop, engager, formateur. Alors lui, hop. Présentation, ok, loup de Wall Street. Et loup de la street, parfait, hop. Petit formateur là, ça va être bien pour l'éducation. Lui il se casse direct. Lui il va au boulot, ok. Ok, recherche terminée ici pour les loups gris. On va faire des petites recherches pour les scarabées aussi. Voilà. Pourquoi il se casse? D'accord. Lui mettre un poste de présentation. Alors, un poste de présentation. Ça doit être par là, du coup, j'imagine. Un poste de présentation. Qu'est-ce que c'est? Une présentation, c'est ça. Ok. Ok. Une petite borne éducative pour les enfants. C'est bien ça. Borne éducative pour les enfants. Non bro, tu vas là. Mais... Que fait-il? Mais que fait-il? Il est fou? Cet homme est fou? Mais arrêtez-le, faites-le travailler. Faites-le travailler, je vous en conjure. Hop, et du coup lui. Il va se retourner. Ah, merveilleux. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, bonjour. Venez, 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 bonjour. Est-ce que je vous ai déjà parlé? Les loups? Eh oui, les loups. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour, je suis Michel. Ah, venez, suivez-moi. Je vais vous présenter les loups. Ah, venez, venez, s'il vous plaît. C'est par ici. Alors, les loups gris sont nos premiers animaux arrivés il y a quelques années désormais dans notre parc. Et ils sont magnifiques. Vous trouverez Rivenzi, Rivenji Junior. Vous trouverez les magnifiques petits oiseaux. Oh là, regardez-le. Il est magnifique. Il est merveilleux. Ah, envoyez-le. Ah, suivez-moi, regardez, je vous amène au scarabée.
Les petits scarabées, regardez comment ils sont tout mignons. Venez, ils sont déjà 14 dans leur enclos. Ils sont beaucoup trop. Ah, il est parti. Il fait plus de présentation, il s'en fout. Insupportable. Putain, trop chiant. Oh. Domingo pense que tu as saccagé son setup pour prendre la main sur Planet Zoo. C'est-à-dire. Ah oui, son down d'hier. Putain, il est fort le bâtard. Comment a-t-il su? Effectivement, j'aurais très certainement saboté le travail de Domingo, sûrement. Ah, c'est... Il est fort. Il est fort, il sait. Ah, il est... Putain... Il est sur ma piste depuis un petit moment. Il le savait et j'ai été démasqué. Et oui, c'était moi depuis le début. Et oui, il est fort. Ah oui, c'était moi. C'était moi depuis le début, je dois plaider coupable. Je me disais bien qu'on serait trop nombreux dans ce game du Planet Zoo. Oh putain, ils sont 18, mais j'en peux plus. Ils font que baiser, les scarabées. Ils font que baiser. Ah la vache. Ils font que Ken. J'en peux plus de vous, les scarabées. Arrêtez de tout le temps... Après, ça nous fait de la thune. Hein. On va pas cracher dessus. Merde. Ils sont chauds, les scarabées. Les vendre après l'affaire des vestiaires du Sylvine aussi. Non, mais il faut pas qu'ils le prennent comme ça. Faut après, voilà. Et ça va marcher aujourd'hui. C'est ça le truc. C'est carrément son ordi qui a planté un génie diabolique. Non, mais écoutez, je connais un petit peu l'ordinateur, quoi. Je connais un peu la machine. Je vais en laisser 4 encore. Hop, et les autres. Je connais un petit peu sa machine. C'est pour ça que j'ai pu en profiter pour tout désinstaller, bah bien sûr. Non, stériliser. Non, mais en fait, non, faut pas stériliser parce que ça nous rapporte vraiment des sous. Regardez. Ils sont tous là. Boum. Ça nous rapporte 5 000 $. Bah, j'avoue, moi je les garde. Hein. Faut juste qu'on garde les meilleurs pour garder des goldés. On va les envoyer dans le zoo. Sont tous goldés au fur et à mesure, quoi. Au bioma, on va envoyer cela. Hop là, échange rapide. Hop, voilà, 3 000. En vrai, ça nous met bien en termes de sous et tout, c'est bien. Hein. C'est bien. Oui, il y a de plus en plus de goldés, ouais, parce qu'on garde les goldés, quoi. Mais d'ailleurs, il y en a beaucoup trop encore, là. Il y en a beaucoup trop encore. Il y en a beaucoup trop encore. Ok, vivarium, échange de vivarium. Ils sont tous stockés, quoi. Nickel. Mais 12 000, bon! Je propose, messieurs, dames, qu'on aille créer un nouveau... il sait pas parler, encore une fois, hein, c'est difficile. Hein. La langue de Molière est une langue magnifique, mais terriblement injuste pour les gens qui ne savent pas parler. On va faire un autre... on va en faire un autre, là. Est-ce qu'on se lance maintenant dans la création d'un nouveau... un nouvel enclos? Il faut juste qu'il y ait un animal qui m'inspire. Un animal. Putain, toujours, hein, la langue de Molière. Compliqué, hein. Ouf. C'est si dur. Il faut qu'il y ait un animal qui m'inspire. Les ours. Les ours, on resterait un peu dans le thème. Un animal. T'es sûr d'avoir assez d'argent? Non. Non, on n'est jamais sûr, hein. Les ours, j'aime bien, mais les ours, on va vraiment rester dans le même mood que les... On va vraiment rester dans le même mood, quoi. Que les loups, je trouve. Espèce. Qu'est-ce qu'on peut faire? Des bongos. On fera plus tard, les singes. Les singes, ça demande vraiment de la réflexion. Une volière, ça peut être bien, une volière. J'en ai jamais trop fait, des volières. Des licornes. Alors, licornes, pourquoi pas, mais il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu.
Tu as tous les DLC, presque tous, ouais. Un varirou, c'est quoi un varirou? C'est un... Oh, c'est trop mignon! Ah, c'est un petit primate. Ok. Un varirou. C'est très coco. Ours, okapi, nyala, nazik, manchot, du cap, loup gris, loup d'Arctique, lion d'Afrique de l'Ouest, lama, koala, kangourou. J'aurais bien trouvé un truc un peu du même style que les loups, là. Histoire que les gens ne soient pas choqués en termes de... Bison, mais bison, je pense que les bisons, t'as besoin d'une grande... On va partir sur les ours, hein, je crois. Donc on va finir sur les ours. Ours noir de Taïwan, ours malais. Oh, c'est des ours de l'île de Malais. Ça coûte un bras quand même, hein. C'est sympa, mais ça coûte cher, hein. Ouais, ça c'est pas le genre d'ours qu'on cherche forcément. On va checker quel genre d'ours on a besoin. On va taper ours, ours Isabelle. Ours Isabelle, ça serait plus de type ours. Genre, ours de Taïwan, ours polaire. C'est plus des ours Isabelle qu'on va rechercher en vrai. On n'a que ça comme type d'ours? Lynx. Non, lynx aussi, ouais. Lynx. J'ai pas encore les lynx, je crois. Il va falloir que je cherche les DLC. Grizzly. Oh, attendez. Hop, je regarde juste un truc vite fait. Hop. Je regarde juste qu'est-ce qui me manquerait comme... Hop. Tac. Je suis en train de vouloir faire un truc. Attendez, j'arrive. Je suis en train de gérer, j'arrive. Hop. Et si du coup, attendez, je fais ça. Hop, sauvegarder le zoo. Sauvegarder et quitter le zoo. Ok. Hop. Hop, et là, si je retourne, bibliothèque, hop, planète zoo, jouer. Normalement, ce sera bon. Normalement, on aura des lynx et tout ça. Merci beaucoup, Luthi. Go, les 1K sub, Rivani, bonne journée. Yo, j'espère que tu vas bien. Yo. J'espère que tu as la forme. Maximum de cerveau, bien sûr, pour le 29e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Hop, on reprend celui-là. Des grenouilles venimeuses de toutes les couleurs, sinon oui, c'est très joli aussi. C'est vrai que c'est joli. Hop là. Oh. Du coup, si je fais... Hop. Si je fais zoopédie. Oh, un blaireau. Ah, du coup, on a des nouvelles races. Parfait. Si je fais tous les continents. Europe. Oh, un bouquetin des Alpes, là. Un flamant rose, un loup gris. Oh, le lynx. Stylé. Un renne. Salamandre tacheté. Oh, le lynx, il est incroyable. Lynx, ça vit dans quoi? Ok. Il faut des montagnes, non, pour le lynx, du coup. Il faut 615 mètres. Il n'y a pas besoin de trucs pour escalader. De moins 13 à 38 degrés. Anti-escalade. On a ça, normalement, des anti-escalades. Et le groupe, c'est combien? Ils doivent être combien?
Et du groupe, il doit être un ou deux maximum. Lynx boréal, ça doit coûter cher, non, comme... le lynx boréal. Je pense que ça doit coûter aussi une petite fortune. Hein. Ça va. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Hop. On fait. On adopte celui-là. Et on peut prendre un autre. Ah, parfait, celle-là irait bien. Hop là, parfait. Donc, nous avons nos sondes. Merci beaucoup, Chikouille. Merci beaucoup, Chikouille. Merci pour le 17e mois d'abonnement. Merci beaucoup. C'est très, très, très cool. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé encore sur Twitter? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Qu'est-ce qu'il y a? C'est des accusations? Un truc qui a changé, parce que la veille, j'étais en live, tout va bien. J'éteins le PC, je le rallume, il y a un problème. Le seul élément que je pourrais voir, justement, de qui a saboté, c'est vrai que le lendemain de sabotage, je me réveille, j'ouvre tranquillement Twitch, je vois qu'il y a un changement de programme du côté de Cherry Venzi. Waouh. Et ça ouvrirait un parc sur Planet Zoo. Bizarre. Les accusations sont très graves, hein. Accusations très graves. Je ne veux pas accuser, mais bizarre. C'est vrai que je fréquentais cette personne avec le festival, etc. Est-ce qu'il aurait pu avoir une clé de chez moi pour aller changer ça? Il est fort. Bizarre. Il y a du... C'est des accusations assez... très très fortes, hein. Écoutez, waouh, des accusations très 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 violentes à mon encontre. Écoutez, est-ce qu'il faut que j'appelle mon avocat, maître Enfoiros, pour qu'il puisse régler tout ça et qu'il puisse me trouver un alibi? Il faudrait que je demande à quelqu'un de venir évidemment prouver que je n'étais pas effectivement chez Domingo, que je n'ai pas fracturé l'entrée de chez lui ainsi que son PC. Il faudrait que j'appelle Maître Enfoiros. Maître Enfoiros pouvait être là. Ravik de l'outre au Rivenzo. Très bien. Ok, je vois ce genre de choses. Écoutez, sachez, Monsieur Domingo, que je n'aurai pas besoin d'avocat pour me défendre, mais sachez, Monsieur Domingo, que je n'en suis en rien responsable de la faillite de votre ordinateur. Je dirais même que vous êtes un petit calomniateur, Monsieur Domingo. Je pense qu'il faut que vous vous rendiez compte de ça. Vous portez des accusations à l'encontre de gens qui n'ont rien demandé. Vous êtes un petit calomniateur, Monsieur Domingo. Alors certes, vous avez fait de très belles choses, hein, sur le Twitch Game, évidemment. Mais il faudra quand même... mais attention. Notre amitié était florissante. Vous m'avez laissé l'opportunité, et ça, je ne l'oublierai jamais, de réaliser le rêve, mon rêve, évidemment sur une scène et d'un festival... Ça fait magnifique. Mais attention, je vous donne ça. Monsieur Domingo, ne me prenez pas ça. D'accord? Faites attention. Faites attention. Petit calomniateur. Les enfants nous regardent. Nous avons des responsabilités. Il ne faut pas que nous tombions dans ce genre d'accusation. J'ai écrit une chanson à votre égard. Oh, P.A. Domingo. Pala papapa. Sur l'un plateau, il est le roi. Sur Twitch, il fait sa loi. Attention. Ça pourrait vite changer à... Il ment, attention. Il ment, il crée des mensonges, bien sûr. Bon, bref. En tout cas, voilà. Sachez que, évidemment, nous... Si... Je laisserai la... Je laisserai évidemment la justice. Je laisserai évidemment la justice. Elle doit être saisie. Je laisserai évidemment la justice faire son travail. Je me tiens à la disposition de la justice si elle devait être saisie, exactement. J'aurais
je réfléchis à cet enclos numéro 2 là. Je réfléchis à son positionnement. Oui, mais je vois qu'on essaie de créer des... une diatribe à mon égard. Est-ce qu'on peut... Attendez. Est-ce qu'on peut... petite clôture ici, là. Petite clôture, là. Petite clôture. Petite clôture. Petite clôture. Rivendi, plaisir de retrouver tes lives. Bonjour, ça va, salut Forever Phoenix Rising. Et bah écoutez, ok, on a ça. Hop. Clôture. Est-ce qu'on peut aller? Allez! Aligner sur la grille. On peut aligner ça sur une grille ou pas? Pas vraiment là. Une petite grille. En fait, je voudrais faire ici le deuxième enclos. Vous l'avez bien compris. Trop petit, non? Je suis pas sûr. Pas sûr qu'il soit trop petit. Parce qu'ils ont pas besoin de tant que ça de place au final, le lynx. Sachant que c'est des petits groupes, donc ça devrait le faire. Est-ce qu'on pourrait faire ça comme ça? On pourrait. Marketing. Éducation des visiteurs. Ah, l'éducation, bon, ça monte pas hein, pour l'instant, l'éducation. Pourtant, je donne tout là, mais... Je donne tout. Hein. Ok. On prend pas la plateforme à hauteur là. En gros, bah, c'est une plateforme en fait, qui permettra aux gens d'aller regarder ici et de regarder ensuite un autre enclos qui sera très certainement là quoi. Et ensuite, bah, on pourra imaginer, je sais pas, des gens puissent se balader. Ou d'ailleurs, là en fait. C'est plus une plateforme qui est là pour de déco quoi. On peut tester, après on n'est pas arrêté, ça se trouve on va juste supprimer cette partie là, mais c'est pour créer en fait, supprimer le milieu notamment, mais c'est pour qu'en fait les gens puissent voir ici les lynx, de en hauteur ce sera mieux je pense, et comme ça ils peuvent le longer aussi là. Après ce serait cool qu'on puisse mettre un bâtiment, genre on peut pas mettre de, attendez je réfléchis, ça c'est un peu dommage, c'est que juste tu puisses pas mettre de... Ouais. C'est sympa d'avoir une vue d'en haut. Bah ouais, du coup tu vois l'entrée du parc et tout. Pour l'instant y a pas grand chose, mais ça va s'améliorer au fur et à mesure. Il faut une entrée aussi dans cette clôture. Il nous faut une entrée. Voilà.
mettre une petite allée en bois. Une petite allée en bois, petite longueur, petit truc. Les gens puissent un peu voir d'en bas aussi. Hop. Elle est très très moche cette allée. Très 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 moche. Oh là là. Oh là là, je m'en suis rendu compte. Oh là que c'est laid. Moi que c'est laid. Moi que c'est laid. Voilà. Ok. Ensuite, donc du coup, clôture. Clôture, clôture, clôture. Non, pardon. C'était échange d'animaux. Du coup, on a nos lynx. Envoyé dans le zoo ici. Il faut qu'on voit maintenant qu'est-ce qu'il leur faut. Yo, je sors de Londres 3 secondes pour les soignants. Ça aurait été plus pratique de mettre l'enclos de l'autre côté car ils sont giga loin là, non? Ouais, ils seront loin, mais je préférais les mettre là. J'avoue. Je préférais les mettre là parce que là, je pense qu'on va rapidement partir sur un truc un peu de singe et tout par là-bas. Mais en vrai, ça va le faire. C'est pas si grave. En vrai, je sais pas quoi faire pour l'éducation. Je vous jure, je donne tout. Hein. Je vous donne tout pour qu'il y ait plus d'infos et tout, mais j'arrive pas à faire autrement là pour l'instant. Personnel, on va prendre un autre veto. Ok. La recherche, c'est vrai, pas pour l'éducation. C'est quoi, pardon? Un habitat n'a pas de soigneur. Ah oui. Faut que je le mette dans une zone de travail. Je peux pas l'atteindre. Attendez, modifier la clôture. Pourquoi il peut pas l'atteindre? Attendez. Hop là. Ah, il y a l'erreur. Erreur fatale. Allez. Comment ça, il s'est échappé? Quel animal s'est échappé? Non, il est là. Tranquille. Tranquille. Mais je crois que du coup ça passait pas. Clôture, voilà, c'est ça. Voilà, ok. Alors lui il est comment? Qu'est-ce qu'il lui faut d'autre? Elle est pas en fuite, c'est bon. Mais il est pas en fuite, qu'est-ce qu'il dit? Hop, il va le récupérer. Mais non. C'est l'enfer, attendez.
Très bien. Bah, en vrai, il aime bien Ok. Herbe longue, il y en a trop. Il y a plus d'herbe courte. Mettre que de l'herbe courte, comme ça, ça sera bien. Ok. Qu'est-ce qu'il kiffe encore? Des plantes et des arbres. Il lui faut des plantes et des arbres, ok. Oh, en parlant de lynx, regardez qui vient d'arriver. Regardez qui est là. Qui a appuyé sur le bouton en plus. C'est mon lynx à moi. Ah, let's go. Voilà. C'est mon lynx à moi de Bretagne. Et oui, il est là. C'est la presque la même couleur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi lui faire une sorte de petit... Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que... Meilleure streameuse de Twitch. Exactement. Est-ce qu'on peut lui mettre à cette clôture... Parce qu'ils peuvent grimper, c'est un peu ça le truc. Comment est-ce qu'on fait pour faire un truc qui l'empêche de... Un truc qui empêche de grimper. Des systèmes de, d'anti-grimpage. Réfléchis. Et on est en train de grimper, Clarisse, son arbre à chat. Trop marrant. Non.